Bonjour à tous. Je vous laisse d'abord partager le live. Oh là là, c'est quoi ça? Voilà. Coucou Muriel Yamsi. Bonjour à tous. On tag tout le monde, on bip tout le monde. Merci Chris, merci, merci, merci. Merci beaucoup. Positionne bien le téléphone là. Entre un peu. Ah. Bonsoir, 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 bonsoir Aziz, bonsoir Emmanuel, bonsoir, bonsoir, bonsoir Myriam Yamsi, bonsoir tout le monde. On se connecte, dis-moi bonsoir, bonjour, on se connecte et on partage le live. Moi aussi, je vais partager d'abord dans tous les groupes parce que c'est important. Donc, on partage le live dans tous les groupes, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on soit nombreux parce que le combat continue, les voyages continuent, les lives continuent, les boycotts continuent. Comme vous avez bien dû vous rendre compte, les boycotts continuent. Nous devons aller à Genève sous peu, puisque Bia, apparemment, est partie de Paris pour Genève, pour une visite, pour un court séjour privé. Donc, nous devons aller le retrouver aussi là-bas, à Genève. Donc, partageons le live, s'il vous plaît. On commence par ça. On partage d'abord le live. Et ensuite, on va... Ensuite, nous allons... Faire le débriefing du boycott du roi que forcément vous attendiez depuis, que je viens vous raconter ce qui s'est exactement passé, comment ça s'est déroulé. On va le faire aujourd'hui et après on va aussi enchaîner avec le débriefing du boycott de l'action coup de poing que nous avons mené hier à l'hôtel Georges V sur Paris. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Je tiens à vous dire que je n'hésiterai pas à vous bloquer. Donc, en écrivant, réfléchissez bien, tournez votre langue 3000 fois avant d'écrire parce que vous n'êtes pas obligé d'être dans le live. Ceux qui viennent là pour insulter et tout seront systématiquement bloqués. Voilà. Ça ne paye pas mon loyer, donc je ne vois pas pourquoi je vais m'asseoir là pour subir vos critiques à la con. Donc, je vous laisse... partager. Ceux qui veulent bien rester, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec moi, ils sont d'accord avec ma façon de penser, ils sont d'accord avec ma façon, pas avec moi à 100%, mais ils sont quand même d'accord avec ma vision du combat, donc on peut rester, continuer à discuter. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise, vous savez ce qu'il faut faire, la sortie, c'est à gauche. Dans un premier temps, on partage déjà le live dans les groupes WhatsApp et Messenger.
Et après, on pourra discuter des sujets qui nous préoccupent. On tague bien évidemment ceux qui ne sont pas là. Comme Yurian Yamsi est en train de le faire, il faut taguer ceux qui ne sont pas là pour qu'on puisse être nombreux. Parce que le but d'un live, c'est d'être nombreux pour que l'information puisse passer. Donc, c'est très important. Alors moi aussi, je partage d'abord, avant toute chose, hein. Parce que si on ne partage pas, ça va pas arriver à Londres chez VP, ça va pas arriver en Vokmeka, ça va pas arriver chez Amer Kamer. Donc, il faut qu'on partage partout, partout, que ça arrive là où ça doit arriver. Voilà, on partage sur la page des Amazones de France, bien évidemment. On partage. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est bon, c'est parti. Voilà. Donc, il fait chaud. Oh là là, purée. L'été s'annonce très, 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 très compliqué pour nous. Avec les fortes chaleurs. On ne sait pas si on va s'en sortir. Bon, on va essayer. Voilà. Donc, je vous laisse taguer les uns et les autres. Et après, on va lancer les hostilités. Bien évidemment, je vous ai dit. Vous savez, lors de mon agression dimanche dernier, mon téléphone a été confisqué. Bonsoir, Raphaël. Mon téléphone a été confisqué. Coucou, maman. Coucou, Fantomas Tarzan. Coucou, chérie de moi. Donc, mon téléphone a été confisqué par. Bonsoir, Odette. Bonsoir, bonsoir, maman Odette. Bonsoir, Michel Bangui. Bonsoir, Macabo de l'Ouest. Bonsoir, Port de l'Ouest. Ah là là, quand le compte est bloqué, c'est la magie. En fait, Olivier, comme je te disais hier, si ton compte, si on te demande l'identification, normalement, tu dois cliquer sur le lien quand on te demande l'identification. Comme ça, ils vont t'envoyer un code et ils vont t'envoyer un code via le numéro que tu avais enregistré là-bas ou bien l'adresse mail avec laquelle tu avais enregistré ton compte sur Facebook. Et à travers ce code, tu pourras, si tu reçois le code, si tu reçois le message, il y aura un code. Dès que tu saisis le code, ça veut dire que Facebook te reconnaît et on libère ton compte. Donc, si ça t'a demandé l'identification, ça veut dire que certainement les gens ont signalé ont signalé le. Oui, je vais mettre le numéro après, Raphaël. Je vais mettre le numéro après. J'ai pu prendre une puce. Je vais mettre le numéro après pour appeler. Donc, à travers ce code-là, si tu reçois le code et tu réponds, Facebook sait donc que c'est toi et te restitue ton compte. Voilà. Mais il faut absolument que tu aies le compte. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Blaise, Simon, mon fils. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivia. Bonsoir David. Bonsoir Narcisse. Bonsoir. Où c'est bonjour, c'est bonsoir. Bonsoir Irène. Voilà. Donc. Comme je vous disais, bonsoir Michel Bangui. Donc, comme je te disais, Olivier, essaye ça s'il te plaît pour voir si ça va fonctionner ou pas. Parce que quand on n'a pas nos comptes Facebook, là, on est vraiment très embêté. Parce qu'on ne peut pas faire de live, on ne peut pas communiquer. Et ce n'est pas évident. Voilà. Donc, je vous expliquais que lors du dernier boycott du roi, j'ai été molesté par ces gamins-là et bien évidemment, j'ai perdu beaucoup d'affaires. Je ne suis pas la seule hein, parce qu'on a perdu aussi nous ont pris les banderoles du CCD, ils ont pris les chapeaux, ils ont déchiré des vêtements. Donc, en tout cas, vous avez vu la violence de l'agression. Donc, je vous laisse partager. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis mon lien PayPal là parce qu'il me faut un nouveau téléphone. Il me faut un nouveau téléphone. L'iPhone, ça coûte cher. Je ne vous le fais pas dire. Il me faut un nouveau téléphone et ça commence à être pesant, ça commence à être difficile, toutes ces
toutes ces dépenses imprévues qui sortent. Mon sac à dos est parti avec mes baskets dedans, avec mon trépied de téléphone, avec mon chargeur, mon téléphone, avec tout ce qu'il y avait dans mon sac, ils me l'ont pris. Et voilà, c'est des pertes énormes. À force d'encaisser cette succession de pertes, ça devient un peu pesant. Donc, je me permets aujourd'hui de vous dire que j'ai besoin que vous me donniez un coup de main parce qu'il me faut un nouveau téléphone. C'est très important. C'est via les téléphones que je fais mes lives. C'est via mes téléphones que je peux échanger avec vous. C'est via mon téléphone que je fais mon combat de communication, de sensibilisation, hormis le combat de terrain. Et même sur le terrain, on a besoin du téléphone. Vous savez, le fait qu'il m'ait pris mon téléphone dimanche dernier a été un gros handicap pour la communication de ce boycott. Parce que les pages des uns et des autres étaient bloquées, d'autres pages restreintes. Donc, ça a été vraiment un gros souci. Donc, je vais vous prier de repartager le live quand on va être à 100. À 100 au moins. Je vais commencer donc à vous relater comment s'est passée mon agression. Comment s'est passé le boycott du roi. Est-ce que le but a été atteint? Est-ce que notre message a été reçu? Donc, on va essayer d'en parler. Et bien évidemment, après cela, on pourra aussi parler du boycott qui a eu hier. Même pas du boycott, de l'action coup de poing qui a eu hier à l'hôtel du président. N'écoutez pas, hein, n'écoutez pas les oiseaux, n'écoutez pas ce que les gens racontent de part et d'autre. Le président était bien au Georges V. C'est là où l'État français l'a logé. Donc, et les ministres et d'autres membres de la délégation étaient logés au Phuket. Donc, en fait, il ne faudrait pas que les gens restent en Europe et pensent que les choses se passent au Cameroun où on parlait caché un président dans un trou. Non. Quand un président est quelque part, le lieu de sa résidence est communiqué. Ce n'est pas communiqué au monde entier, mais c'est communiqué. On sait bien qu'il est là. Voilà. Donc, n'écoutez pas ce que les gens vous racontent de gauche à droite que le président n'était pas. Non, attends. Il n'est pas le président le plus important. Il n'est pas Vladimir Poutine. Il n'est pas Joe Biden. Il n'est pas le président du Japon ou bien de ces pays-là, les pays puissants, pour dire qu'on va le mettre dans un bunker. Non, 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 non. C'est que des petits dictateurs africains. Donc, on les loge vite fait, bien fait. Et l'adresse est connue. Hein. Ne vous prenez pas. Mais vous ne prenez pas les choses comme si c'était un Vladimir Poutine qui était là et que le risque de ceci, le risque de cela, voilà. Non, non, c'est deux choses bien différentes. Il faut bien faire la part des choses. Donc, il était bien où nous étions hier. Il était bien à cet endroit-là. Et je vais vous relater ce que moi j'ai vu. Bien évidemment, d'autres personnes, d'autres combattants qui étaient aussi sur le lieu du boycott. Je pense que d'autres sont en train d'arriver chez eux. Les gens de la Belgique sont arrivés. On s'est bien rassuré qu'ils sont arrivés parce qu'ils sont partis ce matin. Ils sont arrivés à mi-journée. On ne sait pas encore Sandy de Boston, si elle a pris de prendre son vol pour retourner. Mais on sait quand même que la délégation belge est bien arrivée. Ils nous ont fait un message. Donc, pour l'instant, on n'a pas seulement le retour de Sandy pour qu'elle nous dise si elle est aussi bien arrivée ou pas. Donc, voilà. Mais tout s'est bien passé. Et nous, les combattants de Paris, on est tous rentrés chez nous, sains et saufs, dans la bonne humeur, étant bien contents. L'objectif était atteint. On a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Donc, je vous laisse repartager. Bonsoir, 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 bonsoir. Pendant ce temps, je vais prendre la peine de répondre à... Bonsoir Missoulilan, bonsoir Sidonie Pepita, bonsoir Victoire Céleste, bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. Non, mais Olivia, ça hésite. En fait, nous les gens du continent, on a une façon de réfléchir qui est tellement incroyable. C'est-à-dire, on vous dit que le président est Georges V. Et tu vois des gens qui sont là à spéculer, c'est-à-dire ils font comme si peut-être on va vous dire que le président était à l'Élysée. Le président n'est pas à l'Élysée. Son hôtel est bien là et c'est connu. On peut bien, il y a des choses qu'on peut bien cacher, mais ce n'est pas le genre de président. Je vais me répéter 5000 fois. Ce n'est pas Vladimir Poutine, hein. Ce n'est pas Joe Biden pour dire qu'on va aller le mettre dans un endroit. Pour dire que, parce que si c'est Vladimir Poutine, on va dire qu'il peut avoir un risque de ceci, il peut avoir un risque de cela. Donc il faut vraiment qu'on le protège, il faut vraiment, mais ce n'est pas ça. Ce sont les sous-préfets de la France qui étaient là. Ce sont les sous-préfets de la France qui étaient là hier. Donc. C'est vrai, ce sont des présidents, mais on peut mettre que ce sont des présidentons parce que ce sont les sous-préfets de la France. Dans ils ne parlent pas de tous les enfants. Ils sont venus voir leur maître, ils sont venus rendre compte à leur maître, ils sont venus négocier avec leur maître et ils sont venus encore vendre le peu qu'ils n'ont pas encore pu vendre. Ils vont vendre le peu qu'ils n'ont pas encore pu
donner, ils vont donner. Parce qu'ils veulent, tout avoir, ils veulent conserver leur place, ils veulent conserver leur mandat, ils veulent après le père que soit le fils. Donc je vous dis, ce sont les présidentons qui étaient là hier, ce n'est pas les présidents, ce sont les présidentons. Parce qu'un président, c'est les Assimi Goïta qui assume, qui tient tête, qui veulent s'affranchir de la France-Afrique. Voilà ce qu'on appelle président. Ceux qui étaient là hier, là, au sommet de quoi, là, c'est les présidentons. Les présidentons de Macron. C'est les présidentons. Donc, quand comme VP de Londres reste là-bas, alors ils disaient que non, le président était pas à cet hôtel-là. Mais dis donc, on t'a dit quoi? On t'a dit quoi? Qu'ils n'étaient pas à cet hôtel-là, qu'ils étaient où? Ils sont puissants? Ils ont quelle puissance? Même si on les naquait là hier, ils ont quelle puissance? Il y a les présidents que quand ils sortent de leur pays, on dit que risque de tum, risque de. Je ne sais pas pour l'instant le mot parce que j'avais peur qu'on bloque ma page. On dit qu'il y a le risque, on dit qu'alerte, alerte maximale. Il y a un dieu à cuire, il y a quelqu'un. Il y a même des gens de son pays qui peuvent venir faire les taux, qui peuvent venir faire poser des actes un genre. Vous voyez des présidents sortis de chez eux, ils n'arrivent même pas à marcher, d'autres ont porté sur le dos. D'autres sont dans la trottinette, d'autres sont dans la poussette. Ils viennent voir leur chef. Vous en avez dit, on ne connaissait même pas là où le président, les présidentons étaient. Qu'ils étaient où? Ils n'étaient pas là, qu'ils étaient où? Dis donc, partagez le live. Et bien évidemment, n'oubliez pas, comme je vous ai dit tantôt, il faut que je parte d'ici avec mon téléphone. Il me faut un nouveau téléphone. Regardez, parce qu'on ne peut pas fonctionner avec ça. Il me faut un nouveau téléphone. Donc, j'en ai. Tous ceux qui disaient que non, VDK, on va t'acheter un nouveau téléphone, c'est le moment. Le lien PayPal, il est bien affiché. Donc, avant que les goitreux et les ceci. avant que les goitreux. Oui, comment? À l'aide maximale. Je dis que si c'est Poutine qui était là hier, au Georges V, on n'aurait même pas franchi le périmètre. Mais je vous dis, hier, quand même, on était devant l'entrée. On aurait pu entrer dans l'hôtel hier. Donc hier, on était dans la bouche. On n'aurait même pas pu franchir le périmètre de sécurité. C'est pas qu'on vous dit que ce sont les présidentons qui étaient là hier, pas les présidents. Bonjour Samira. Bonjour Yolande Samira. Voilà. Donc, nous sommes pratiquement à 100 personnes connectées. Merci Coffre, merci mon grand, merci pour les partages, merci de taguer ceux qui ne sont pas là, les Victorine Noumbissier. Moi, je vais taguer quelques-uns et après on va continuer. Les Victorine Noumbissier, les Serge Gislin, les Bijoux Camer, on va taguer tout le monde. On va taguer. Voilà, on va taguer. Je vois les Tata Aline. Est-ce que Tata Aline, c'est quelqu'un qui suit ma page jusqu'à je la vois dans mes gens que je dois taguer? Dis donc. Victorine. Ce n'est pas Victorine. Ah, j'ai pas. C'est compliqué, hein? Partagez le live, s'il vous plaît. Vous voyez bien que c'est signalé, c'est en dans le site. Quand vous voyez l'audience descendre comme ça, ça veut dire qu'il y a les signalements. Pardon, partagez partout. Notamment aussi. J'arrive pas, j'abandonne. Voilà. Bonjour, rebonjour à tous. Donc, on va donc commencer le live de façon plus cool. J'enlève mes yeux parce que je n'ai pas besoin de beaucoup lire les commentaires. Mais s'il y a quelqu'un qui fait des commentaires déplacés, n'hésitez pas à m'alerter pour que je puisse le bloquer. Voilà. Alors, vous savez, il y a de cela, il y a le week-end dernier, dimanche dernier. Vous avez dû assister, vous avez dû vous tous constater. Bonsoir Berlin Adège.
Vous avez vous tous constaté, vous avez vu mes photos qui se baladaient partout dans le monde entier, mais mes photos étaient partout. Mes photos faisaient le tour du monde. Les gens étaient très, très, très enjaillés de voir mes photos, mes détracteurs, ceux qui ne sont pas pour le changement au Cameroun, ceux qui sont, parce que vous savez, dans toutes choses qu'on fait, il y a toujours des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Et bien évidemment, on ne sera jamais d'accord sur tout. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se le mettre en tête. On ne pourra jamais être d'accord sur tout. La preuve en est que jusqu'aujourd'hui, après 41 ans de souffrance, de misère et tout, il y a encore ceux qui sont d'accord pour que Paul Biya reste président. Il y a encore ceux qui sont d'accord pour que Paul Biya reste là, à vita aeternam, c'est-à-dire que qu'il ne quitte jamais là et qu'il reste là éternellement. Il y en a même ceux qui sont d'accord, qui veulent même que Paul Biya ait la vie éternelle pour rester là jusqu'à ce que le monde finisse. Bonjour, Jean-Juste. Donc, bien évidemment, vous voyez qu'on ne peut jamais être d'accord sur tous les sujets. Il y a des sujets sur lesquels on va être d'accord. Il y a des sujets où des gens, où on ne sera jamais d'accord. Et on ne fera jamais l'unanimité. Alors, je vais vous parler du roi. Le roi, c'est... et des chefs traditionnels. Le roi, c'est quelqu'un, c'est une personnalité qui est très importante dans nos pays. Surtout chez nous, les Bantous, les Bamileke. On tient beaucoup à ces personnes-là. Ce sont des personnes qu'on pense qu'ils ont un pouvoir suprême. Dans notre esprit, on leur a donné un pouvoir suprême. Bonjour, là, nous tiens. On a donné un pouvoir suprême au roi. On leur accorde même des pouvoirs mystiques. On leur accorde plein de pouvoirs. Je ne peux pas vous raconter comment les choses de rois sont créées, la création des rois. Je ne connais pas leur histoire. Mais moi, je sais tout simplement que dans ma famille, il y a des chefs. C'est un peu comme le successeur. On appelle successeur papa. On donne des titres comme ça. Et puis, on s'attache à ça parce que ça a des valeurs. Ça a des valeurs pour nous. Ça a des valeurs. Quand c'est le successeur de la famille, on l'appelle papa. Même celui qui est vieux appelle le jeune garçon papa parce que ce sont des valeurs. Un roi ou un chef traditionnel, d'autres l'appellent papa. On l'appelle papa parce que c'est quelqu'un qui est censé nous protéger, c'est quelqu'un qui est censé nous accompagner, c'est quelqu'un qui est censé veiller sur nous. Alors, moi, jusqu'à un certain temps, j'avais toujours beaucoup d'estime pour ces personnes parce que je pense pour moi que ce sont des personnes qui sont là pour protéger les populations. Le chef traditionnel ou le roi doit être la liaison entre le gouvernement et les populations. Il est celui qui est au milieu, c'est-à-dire il joue un rôle fondamental. Le gouvernement attend des choses de lui, les populations attendent des choses de lui. Donc c'est lui qui est le médiateur, c'est celui qui est c'est la courroie de transmission. Et ça a fonctionné, pas à 100%, mais ça a fonctionné quand même jusqu'à un certain niveau. Oui, ça a fonctionné jusqu'à un certain niveau parce que les chefs traditionnels avaient des valeurs, ils avaient des valeurs vraiment qui préservaient nos coutumes, préservaient nos traditions. Voilà, ce n'était pas juste les danses, ce n'était pas juste la fanfaronnade. Non, on ne peut pas s'adresser à eux n'importe comment. On ne peut même pas, au jour d'aujourd'hui, même se lever pour dire qu'on s'en va les boycotter parce que ce sont des personnes, dans notre culture, on leur donne un peu un pouvoir et puis il y a cette petite truc qu'on ne peut pas accéder facilement à eux. Pour arriver à eux, il faut passer par les sujets, il y a toute une procédure. Voilà. Et ça, c'est important. Et ça, nous devons préserver cela. Mais il est arrivé que nous avons en Afrique des présidents qui ont une soif de pouvoir. Ils ont une soif de conservation du pouvoir. Ils ont une soif de garder le pouvoir pour eux. Et sachant très bien le rôle de ces chefs auprès des populations, ils ont transformé ces chefs traditionnels en administrateurs, ou c'est administrateur quoi, ou c'est administrateur de l'État, ou c'est administrateur civil. Donc aujourd'hui, les chefs traditionnels, être chef traditionnel, c'était pas qu'on te payait un salaire à la fin du mois, mais c'est que les populations, à travers ce que tu faisais, tu avais des terres, tu avais des plantations, et sans compter les donations de gens du village. Tout cela, c'est grâce à ça que ces chefs traditionnels, quand vous voyez quelqu'un au village qui a, comme mon feu grand-père, je ne sais pas si avait déjà travaillé, il avait plus de 25 femmes. Je l'avais même vu travailler, il vivait que des champs. Et toutes les femmes cultivaient, toutes les femmes étaient des commerçantes. Moi, je n'avais jamais vu travailler en dehors de le voir aller au champ. Je ne sais pas s'il a fait autre chose que ça. Donc, et ils arrivaient bien à s'en sortir parce qu'il y avait des récoltes qu'il fallait vendre et tout ça.
quand la politique est arrivée à un niveau un peu plus où les présidents africains se sont rendus compte qu'il faut qu'ils s'éteignent au pouvoir, ils ont été obligés de mettre les chefs traditionnels dans leur poche. C'est pour cela aujourd'hui que vous nous voyez être en désaccord avec les chefs traditionnels. Parce que les chefs traditionnels aujourd'hui, vous voyez les ministres, si il arrivait aujourd'hui qu'on croise un ministre quelque part, la façon dont on va se comporter vis-à-vis du ministre, ce n'est pas de la même façon qu'on va se comporter vis-à-vis du chef traditionnel. Le chef traditionnel, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, on appelle Sa Majesté Biloba Efa. Il y a ce petit truc qui fait en sorte que on se dit que ce sont des titres qui ont été transmis, qui se transmettent de génération en génération. Donc, ce n'est pas quelque chose que c'est le président qui reste et qui nomme. Le chef traditionnel et même les rois ne gèrent pas un budget de l'État, ne gèrent pas un ministère. Donc, en fait, quand on va vers les chefs traditionnels, c'est pour leur faire passer un message. C'est pour leur faire passer un message, c'est pour communiquer avec eux, c'est pour échanger. Ne comparez pas le boycott d'un chef traditionnel au boycott des artistes ou bien au boycott d'un ministre. C'est des choses qui sont... C'est des choses qui sont complètement différentes. Donc, quand on se lève, donc, on prépare ce boycott, on se lève pour aller rencontrer ce roi, sachez qu'on a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi parce qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. C'est comme si je vous disais aujourd'hui que on croisait, par exemple, aussi dans la rue, on avait croisé peut-être Nganou Djoumé qui est là dans les rues, dans la toile, sur la place parisienne. On le croise, on va l'enfariner. On va l'enfariner. Moi, personnellement, je suis même prête à faire pipi et verser sur lui. Je suis même prête à cracher sur lui. Parce que voilà des gens qui ont des budgets, qui gèrent des ministères et qui nous détournent des milliards et des milliards au Cameroun. Je ne peux pas croiser un artiste et pisser, et faire pipi sur l'artiste ou bien verser la farine sur l'artiste. Non, je vais empêcher que l'artiste presse. Mais je ne vais pas lever la main sur l'artiste. On ne l'a jamais fait. On ne peut pas non plus se permettre d'aller lever la main ou bien d'aller enfariner un chef traditionnel ou bien d'aller enfariner un roi. Ça, en fait, vous nous cataloguez et puis vous nous attribuez des choses qu'on ne fait pas. Vous nous voyez parce qu'on a déplacé quatre tables, on a enlevé des nappes sur les tables. Vous nous prenez comme des gens qui sont capables de poser des actes irréfléchis. Il faut bien savoir que quand on pose un acte, on sait ce qu'on fait. On est avec des papas, on est avec des mamans, on est avec des grands-mères même. Parce que moi qui vous parle, je suis grand-mère. Voilà, on est, elle dit, et grand-mère ne veut pas dire qu'on a 150 ans. Je suis grand-mère et je suis fière de l'être. Je suis une dame d'un certain âge. Voilà, et je me bats pour que les choses de mon pays changent. C'est assez... Moi, je ne suis pas dit décourageant parce que je ne suis pas même découragé. C'est assez lamentable de voir des gens qui ne comprennent pas le sens du combat que nous menons, qui refusent par méchanceté et par un esprit de biaïsme de ne pas accepter qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays qui est très compliqué, et qu'il faut à un moment donné qu'on mette fin à ça. Et qu'on mette fin à ça le plus rapidement possible parce qu'il y a un peuple qui est en train de se mourir. Il y a un peuple qui est en souffrance et qui est en perpétuelle souffrance depuis plus de 40 ans. Bonsoir Diane, bonsoir ma chérie. Donc en fait, quand on s'est levé, il faut savoir qu'il y a une préparation derrière. Quand on se lève, il faut un boycott des artistes. Oui, on va laver la farine. Oui, on va laver des petites choses parce que on a déjà dit aux invités, on vous dit tous les jours que n'allez plus à ces soirées. On vous dit depuis que ces artistes sont boycottables. Donc, quand on vous dit que ces artistes sont boycottables, c'est pour vous dire de ne plus aller à leurs soirées. Mais si vous étiez vraiment des gens qui sont prêts à faire des sacrifices, vous n'iriez plus à ces soirées. Et quand vous n'allez pas à ces soirées, ça fait en sorte que nous-mêmes, on ne se lève pas pour prendre deux pipis, pour dire qu'on va venir vous enfariner. Et sachez que ce sont des choses bio. Hein. Le pipi, c'est un truc bio. Hein. La farine, c'est un truc bio. Donc, on ne vient pas avec des choses qu'on va venir faire en sorte que quelqu'un ne puisse se lever pour rentrer chez lui. Donc, on ne peut donc pas comparer. Je vous explique bien pour que vous compreniez qu'on ne peut pas comparer un roi parce qu'il y a des valeurs traditionnelles que nous défendons et que nous continuons à croire malgré que le modernisme est entré dessus, malgré que le modernisme est venu s'installer dedans. On continue à garder ces valeurs-là en nous parce que nous sommes des Bantous. On connaît le Si la politique, si Biya avait laissé les rois faire leur travail, si Biya ne s'était pas mêlé dans cette histoire de chefferie, nos rois seraient des gens
près du peuple, parce que c'est chez les lois qu'on allait, c'est chez les chefs chrétiens qu'on allait avant se plaindre. Quand il y avait un problème au village, on partait pas au commissariat pour aller porter plainte. Quand il y avait un problème au village, on partait voir le chef traditionnel et c'est lui qui disait que, ok, venez tel jour. Tu dis que je suis venu pour vous dire que maman Pauline a volé mes vivres au champ. Il vous dit oui. Viens demain avec maman Pauline, on va essayer de trouver une solution à ce problème. C'est comme ça que ça se passait avant. Avant que Biya ne vienne transformer ces hommes de valeur qui ne le sont plus aujourd'hui en ces oies. Voilà, avant que cela n'arrive. Donc, nous, dans la brigade du boycott, nous avons préparé ce boycott du roi de façon très différente. Je vais déjà vous dire que, depuis ma bord, nous étions en pourparler avec le secrétaire du roi. Nous étions en pourparler avec lui. Nous étions en train de pourparler, nous étions en train de trouver un terrain d'entente pour pas en arriver où vous nous avez vu arriver là. Parce que nous étions en pourparler, nous étions en train de négocier. Et ils sont venus vers nous et nous aussi, nous avons pris la main pour pouvoir discuter parce que nous sommes des Camerounais, nous venons tous du Cameroun. Quand vous voyez aujourd'hui les Camerounais ne pas se parler, ne pas discuter, c'est parce que quand l'un tend la main à l'autre, on refuse la main. On veut vous montrer que quand on tend la main au ministre pour leur dire que monsieur le ministre, faites votre travail, arrangez les routes, le ministre dit qu'il s'en fout. Aka, je ne vous écoute pas. La seule personne que j'écoute, c'est Biya. Donc nous étions en pourparler donc avec le secrétaire du roi ici en France, un papa d'un certain âge, avec une mentalité vraiment de ce qu'on attend d'un papa, un papa qui est dans un état d'esprit de dialogue, d'échange et d'apaisement. Je ne parle pas du roi, je parle du secrétaire du roi, déjà parce que je ne veux pas arriver sur le roi. Donc, je vous parle qu'on était en pourparlers avec lui. Moi, personnellement, j'ai discuté avec lui. Bonjour Sonia, ma chérie. J'ai discuté avec ce papa qu'on appelle le secrétaire du roi. Nous avons discuté et nous sommes tombés d'accord. Parce que son inquiétude était de savoir si on venait enfariner son roi, si on venait casser des choses. Nous avons dit non, ce n'est pas notre intention. Nous venons dire au roi, parce qu'il ne nous appartient pas, que sa proximité qui commence à se dessiner, la proximité que nous sommes en train de voir, qui est en train de se dessiner avec les femmes Biya et tout, il ne faudrait pas que cela se fasse. Parce que nous sommes en train de l'observer. Il ne faudrait pas que cela se passe. Voilà le message que nous étions censés aller transmettre à Sa Majesté le roi Nabil Njoya. Et nous étions donc en pourparlers, tout se passait très bien. Mais vous savez, quand vous discutez de quelque chose, c'est comme vous voyez Paul Biya qui est là. Avant d'arriver à Paul Biya, il y a toujours les petits zouaves, il y a celui qui est en bas de l'escalier, il y a celui qui a la première marche, il y a celui qui a la deuxième marche pour arriver peut-être au secrétaire du roi. Alors, on a beaucoup discuté avec ce monsieur. Et il était question qu'on fasse un boycott. Il était question, on a trouvé un terrain d'entente et on devait rencontrer le roi. Vous allez d'abord remarquer la première chose, c'est que vous avez vu les tenues que nous avons portées pour aller à ce boycott. Nous étions habillés proprement. On n'a pas porté des habits de ceci. On a porté des tenues traditionnelles parce qu'on allait dialoguer avec des gens dont on jugeait qu'ils avaient une moralité et qu'ils pouvaient tenir une parole. En l'occurrence, le secrétaire du roi. Là où le bas blesse, c'est que ce papa, le secrétaire du roi, je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'il n'a pas transmis le message à ces jeunes délinquants qui m'ont agressé. Je ne peux pas le dire. C'est lui seul et sa conscience qui sait. Parce que, en fait, quand on parle de double jeu, c'est pour dire que vous négociez, vous entendez sur quelque chose et d'un côté, les gens font bien ce qu'il faut faire et de l'autre côté, les choses ne sont pas respectées. Alors, ce monsieur, je ne sais pas si le secrétaire du roi a bien transmis à sa communauté que les gens de la brigade qui sont en train d'arriver ici aujourd'hui ne viennent pas pour casser, ne viennent pas pour la bagarre, mais viennent plutôt pour transmettre un message à Sa Majesté. Je ne sais pas si le message a été fait. Je ne sais pas si de leur côté, ils ont fait. Mais de l'autre côté, le général Wanto et certains de ces... Voilà, j'allais juste le dire parce que je l'avais expliqué dans un live avant même le boycott, qu'on ne partait pas là-bas pour la bagarre. On partait transmettre un message. Alors, le général Wanto a pris sa part de responsabilité en nous disant... Bonsoir ma folle. En nous disant, habillez-vous en tenue traditionnelle. Nous ne sommes pas en train d'aller faire une bagarre, nous sommes en train d'aller dialoguer avec des frères. Je ne sais donc pas si du côté
de Monsieur Ndi, il s'appelle comme ça, monsieur, le secrétaire du roi ici en France, je ne sais pas si lui également, il a demandé donc à ses frères et sœurs du Noun de ne pas poser d'actes de barbarie et de violence à l'encontre de leurs frères et sœurs qui étaient en train d'arriver. Ça, je ne saurais vous le dire. Parce que si le message, il avait passé ce message à sa communauté, à ces personnes qui venaient de partout, de partout dans le monde entier pour rencontrer le roi, je ne pense pas que nous serons arrivés où nous sommes arrivés et vous n'aurez pas eu à voir les images que vous avez vues. On a donc fait ça pour parler. Moi, avant de partir chez moi, quand vous voyez, j'ai fait les flyers, les pancartes que vous m'avez vu faire. Les pancartes que vous m'avez vu faire, je l'ai fait dimanche matin. Après, je dis bien après avoir discuté dans une réunion call avec le secrétaire du roi. J'ai encore son numéro dans mon téléphone. Dans une réunion call, où il y avait le général Wanto, où il y avait Hilaire de la Suisse, où il y avait Serge Gislain, on était au moins 5. On a discuté avec ce monsieur. Donc, et il nous disait, vous nous garantissez, écoutez bien, est-ce que vous nous garantissez que vous ne venez pas faire du sale? Et le général Wanto lui a dit, je suis le responsable des troupes de cette brigade du boycott. Je vous dis, nous ne venons pas faire du sale. Vous ne nous aurez même pas appelé. On ne venait pas là-bas pour une quelconque bagarre. On venait transmettre le message. Demander au roi le pourquoi de son silence. Depuis tant d'années, c'est vrai que ce jeune roi, il vient de prendre la place de son père, mais il est quand même au Cameroun. Parce que déjà, les gens disent non, il vient d'arriver, laissez-lui le temps. Mais ça fait 2 ans qu'il est là. Ça fait 2 ans. Vous voulez qu'on lui laisse quoi? Qu'on lui laisse 5 ans? Parce que c'est comme ça que quand Paul Biya a pris le pouvoir, on a dit, laissez Paul Biya, il vient d'arriver. C'était d'abord Aïtio. Non, tout ce que vous voyez là, c'est Aïtio qui a fait comme ça. Vous étiez en train de dire non. Oui, laissez d'abord comme ça, parce que tout ce que vous voyez là, c'est la faute à Aïtio. Laissez Paul Biya faire son temps. Laissez-lui d'avoir le temps de nous prouver ceci. Et voilà 40 ans, il a jamais prouvé de quoi il est capable. Voilà 40 ans qu'on a cru lui laisser le temps de faire quelque chose, rien n'a jamais été fait. Ce roi, ça fait 2 ans qu'il est là. Il n'était pas encore roi que la guerre a commencé, que son papa a laissé la guerre avant de s'en aller. Son papa avait fait quelques petites démarches par rapport à cette guerre. Son papa, je ne sais pas en quoi ça s'est soldé, mais je sais que jusqu'à présent, rien n'est fait. Voilà un roi tout jeune. On doit aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas parce qu'on a vu des gens, des jeunes qui marchent avec leurs pinces. Nous, dans notre état d'esprit, on veut les jeunes. On voulait les jeunes à la tête, des choses. Quand on voit un jeune arriver, qu'on a vu Cabral Libil arriver, vous savez bien l'espoir qu'on a mis en ce monsieur. Vous savez bien l'espoir qu'on a mis en Cabral Libil. Si Cabral Libil était resté un candidat sérieux, un candidat qui ne pense pas à son ventre, un candidat qui pense au peuple, nous ne serons pas aujourd'hui en train de dire que wow, on essaie pas de mourir et de s'aligner derrière Maurice Kamto. Parce qu'on serait dit que non, on veut la jeunesse, on veut ceci, on veut cela. Mais quand même face à la jeunesse, quand vous voyez dans la jeunesse, vous voyez des pépites de jeunesse comme les Cabral Libil. Ils arrivent à un endroit, ils restent là, ils se mettent seulement à manger. On est obligé de continuer à faire encore confiance à certains papas, même s'ils ont un certain âge. Vaut mieux un vieux qui a toute sa tête qu'un jeune qui ne pense qu'à son estomac. Voilà un roi qui arrive, il est encore jeune. Il faut dès maintenant lui faire comprendre que non, il ne faudrait pas qu'il se comporte comme son père qui était là. Son papa mettait le gant du roi du RDPC sur lui. Les gens me disent, vous ne connaissez même pas la politique du Noun. Est-ce que vous savez que dans le Noun, c'est l'UDC? C'est l'UDC. Ce n'est pas l'UDC à 100%. Ce n'est pas l'UDC à 100%. C'est l'UDC, oui. Mais ce n'est pas l'UDC à 100%. Alors, c'est comme ça donc qu'on sait. Bonjour Justine, bonjour Anne-Mère Alternance. Donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire du Cameroun quand les législateurs Camden disent que l'union des deux Cameroun a été signée dans le Noun. Je ne vais pas refaire l'histoire du Cameroun parce que l'histoire du Cameroun entière, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je parle aujourd'hui de ce que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de traverser une étape qui est assez cruciale. Quand je vois encore des Camerounais qui sont en train de trouver des raisons pour dire que non, laisse notre roi, il ne fait pas la politique, laisse le roi, il ne fait pas ceci, je suis choqué. Je suis meurtri dans moi parce que effectivement on doit battre le fer quand il est chaud. Quand ce jeune roi arrive, on doit lui faire comprendre que ton père portait les habits du RDPC. Ton père marchait partout avec les grands droits du RDPC sur lui. Ne fais pas la même chose. Ne suis pas le même chemin. Il faut que les choses changent. Les choses doivent changer à la racine. Vous n'allez pas
vous dit que non. Attendez 10 ans. Attendez 5 ans. Laissez-le faire ses preuves. Laurent n'est pas la politique. Laurent n'est pas la politique comment? Son père faisait la politique, non? Donc c'est lui qui... Donc il faut qu'on aille le voir pour lui dire que effectivement, il ne faudrait pas que les mêmes erreurs se reproduisent. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes donc après maintes négociations, maintes échanges avec le secrétaire du roi, monsieur Ndi. J'ai fait mes pancartes, je me suis habillée en dope. Sinon, j'aurais mis un t-shirt aussi simple que ça. Et à toujours, parce qu'il faut savoir que quand nous on va au combat, on s'habille toujours. On tient compte que si on te déshabille, tu vas quand même avoir un soutien, un petit truc dedans qui va te couvrir. Qui va te couvrir. Donc, je me suis habillée en dope. Tous les camarades sont habillés. On s'est tous habillés en tenue traditionnelle. D'abord, par honneur et par respect pour ce roi. D'abord, par respect. Et parce qu'on savait que c'était une grande cérémonie qui se préparait. On savait que les gens venaient partout du monde entier pour rencontrer ce monsieur. Déjà, par respect, on s'est habillé en conséquence. C'est pas qu'on a pas mis les perruques et tout, et tout, et tout. Parce que c'était pas au thème du jour. Mais il fallait quand même mettre une tenue traditionnelle pour montrer que on vient dans un état, dans un esprit de dialogue. Alors, je vous dis, on arrive là-bas. Il y avait encore des combattants qui étaient en train d'arriver. Je veux pour que vous compreniez très bien ce qui s'est passé et que vous compreniez que dans la vie, il y a des gens, peut-être qui n'ont pas de parole, ou alors il y a des gens qui jouent à double jeu. Moi, ce papa, monsieur Ndi, j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport aux échanges que nous avons eus, par rapport à sa façon de parler, par rapport à tout ce qu'on a discuté, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais ma seule désolation aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, l'acte qui s'est passé, l'acte qu'il a laissé, que je peux dire qu'il a laissé ses enfants poser à l'endroit de ses autres enfants. Alors, quand on arrive au lieu de la rencontre, on a garé nos voitures et tout, et tout, et tout, et tout. On a essayé de débriefer avec les combattants de la Belgique. Partagez le live, s'il vous plaît, c'est très important. Partagez le live pour que même ces gens, ces bamouns, ces garçons qui m'ont agressé, sans toutefois savoir les tenants et les aboutissants, qu'ils sachent que la barbarie, chacun sait l'appliquer. Et puis, il y a des moments où on met la barbarie de côté. Parce que je vais encore prendre un exemple tout simple. Quand vous nous voyez aller chasser Paul Biya, est-ce que vous pensez qu'on part pour l'attraper? Parce qu'il y a toujours les maboules qui restent dans l'air quand ils pensent qu'on va aller attraper Paul Biya. Vous pensez qu'on va aller l'attraper? Vous-même, vous pensez qu'on va aller l'attraper comme ça là, si ça commence à jouer, on doit chier avec lui en route? Il y a une limite dans toute chose qu'on fait. Donc, voilà donc, nous arrivons comme ça, on s'est concerté avec les contents de la Belgique, que je remercie vraiment, que avec Olivier Tchanan, on s'est assis. On s'est posé, on a discuté, on a pris nos deux banderoles. Les banderoles pour dire non à la guerre. Les banderoles sont nos éléments de communication. C'est à travers les banderoles que nous véhiculons les messages. On a pris les deux banderoles. J'ai pris mes deux pancartes, j'ai mis dans mon sac à dos. Mes deux pancartes, ma paire de baskets. Vous savez que j'ai les pieds qui puent. Moi, je ne garde pas moi les chaussures longtemps aux pieds. Quand ça commence à chauffer, comme il fait chaud dehors, là, comme ça, j'enlève mes baskets aux pieds, je mets dans mon sac. Donc, dans mon sac à dos, il y avait ma paire de baskets. Mes deux bouteilles d'eau, les pancartes, mon trépied de téléphone et je pense un kawaii, au cas où s'il pleut, que je puisse avoir quelque chose pour me protéger. Voilà ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Donc, il n'y avait pas de pipi, il n'y avait pas de caca, il n'y avait même pas de farine. Je m'avance avec Annie Choco, Olivier Tchanan et les trois autres combattants de la Belgique. Et, on est en train d'avancer, le général Wantou était derrière. Avec Doyen, c'était loin derrière. Donc, je vous dis que on avançait avec tellement d'aisance, tellement de sécurité, parce qu'on se disait qu'on s'en va. Bonjour, Marco Rabanne. On s'en va rencontrer des frères. On ne savait pas qu'on partait rencontrer les maquisards. On s'en va rencontrer les frères. On s'en va rencontrer les frères. Donc, on marchait avec tellement d'assurance. Annie Choco marchait avec moi. On marchait, on bavardait, oui. Je dis à Nicho que non, ne t'inquiète pas. Elle dit que Nadine, elle dit que non, ne t'inquiète pas. On a parlé avec le monsieur le matin, on a discuté avec lui. Il nous a dit que ça va bien se passer. Voilà, il nous a dit qu'on va arriver. Et voilà, tout ceci. Même le roi, quand le roi va arriver, il va nous voir avec nos banderoles. Et les pieds qui puent, quand il va nous voir avec vos banderoles, il peut s'arrêter pour vous dire quelque chose. Comme il ne peut pas s'arrêter, comme il peut envoyer quelqu'un venir vous dire quelque chose. Voilà ce qu'on a parlé avec Papa Ndi. Donc, me voici qui avance avec Annie Choco. Partagez le live, s'il vous plaît. Et je vous ai dit, il y a mon lien pour mon téléphone. Hein. Il me faut un nouveau téléphone. Ce n'est pas la blague.
C'est des gens qui disaient que le téléphone levait des cas. On m'a pris mon téléphone, mon iPhone. Donc, il me faut un nouveau téléphone. Il ne faut pas que vous dites des choses. Et puis, quand le moment est venu, il faut mettre la main à la pâte. Les gens commencent à dire que je n'étais pas. Mettez l'argent dans la cagnotte qui est là. Je veux m'acheter un nouveau téléphone parce que je dois encore aller à Genève dans les jours qui suivent pour toujours aller poursuivre Paul Biya. Alors, on entre le marché. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonjour, Serge. Elle dit que comment on marche. Ha! On voit seulement 30 colosses avec des habits noirs qui sont en train de courir. Coucou. Allez, viens! Poum! Il m'arrête. La nuit me plaque au mur. C'est toi ici, non? Je dis oui, c'est moi. C'est toi qui écris ça? Je dis oui. Ouvre ton sac. Il m'arrache mon sac auto. Ouvre. Où sont les pipis? Où sont les cacas? Que tu venais verser sur le roi? Les cacas sont où? Je dis, mais on est venu discuter. J'étais tellement surprise. Et les combattants de la bise sont venus donner des coups de poing. Les combattants de la bise sont faits que les ripostés. La bagarre commence. Annie, je crois, a réussi à s'échapper. Ils m'ont bloqué. 4, je vous dis au moins 5 gaillards bloqués sur moi, clé 14. Ils m'ont plaqué au mur. C'est toi ici, non? Il fuit mon sac. Où sont les pipis? Ils ne trouvent pas les pipis. Qu'est-ce que vous voyez, la photo que vous voyez sur la toile là? C'est une photo. Ils ont coupé les parties importantes. Parce que ce sont les parties qui devaient les mettre en porte-à-faux. Et je peux vous dire que ce sont des gens qui sont assez malins. Parce que la partie qui devait mettre en porte-à-faux, ils ont coupé. Parce que l'agression a été filmée de bout en bout. Je dis bien de bout en bout. Il n'y a pas une partie qui n'a pas été filmée. Et c'est là où je dis, les gens, ça aurait pu être même quelque chose qu'on m'aurait ôté la vie. Ces gens, certaines personnes auraient pu garder le secret. Parce que vous ne pouvez pas filmer une agression et ne pas mettre tout la vidéo dehors. Et mettre juste une partie qui ne vous met pas en porte-à-faux. Alors, ils m'ont plaqué au mur. D'autres m'ont tenu comme ça par les bras. J'étais plaqué là au mur. C'est toi ici, non? Ils me montraient mes photos Facebook. C'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Pourquoi tu écris ça? Hein? Qu'est-ce que le roi fait la politique? Il me dit que, mais on est venu discuter. Où sont les pipis? Ils fouillent mon sac. Il n'y a pas de pipis. Première déception. C'est pour ça que même nos échanges, ils ne peuvent pas vous laisser entendre nos échanges. Ils ne peuvent pas parce que nos échanges les mettaient en porte-à-faux. Où sont les pipis? Il n'y a pas de pipis. Où sont les cacas? Il n'y a pas de cacas. Où est la farine? Il n'y a pas de farine dans le sac. Il fouille mon sac, il n'y a rien. Je vois un qui sort de loin, il vient, il arrache mon téléphone. L'autre arrache mon téléphone, il arrache le câble de mon téléphone. Il y avait la jeune dame à côté, la jeune dame que je vous ai tous demandé d'ailleurs de lui mettre des cœurs. Parce qu'elle était là, elle a commencé, elle filmait tout ce qui se passait. Et elle disait, laissez-la, même mes lunettes sont tombées, elle a ramassé mes lunettes, elle l'a mis dans la poche. Elle s'est même débrouillée à aller même pour vouloir récupérer mon téléphone, mais elle n'a pas réussi. Elle disait, laissez-la. Et ils me disent, le message c'est pourquoi? Pourquoi tu as écrit ça? Et tout, sans compter ce qui est en train de crier. Mais la grande partie de la propos a été coupée. Ils ont coupé. Ils ne mettent pas ça dehors. Parce que pendant que d'autres me bloquaient au mur, il y a un jeune garçon qui est venu, qui a tiré mon habit et qui m'a déshabillé. Oui, qui m'a déshabillé. Parce qu'il faut relater les faits tels qu'ils se sont passés. Et je tiens d'ailleurs à vous dire que j'ai déposé une plainte à cet effet. J'ai porté plainte. Pour agression en bande organisée. J'ai porté plainte. Donc, nous avons donc... Il me bloque au mur, il me pose des questions et tout. Comme vous avez pu le voir, je tiens aussi à préciser que je n'ai été aucunement frappé, ni giflé, ni même griffé. Ils ne m'ont pas, levé la main sur moi. Parce qu'il faut dire les choses, je ne veux pas. Autant le conseiller du roi, je ne sais pas, si je ne peux pas encore aujourd'hui, à quelques jours comme ça de l'action, l'appeler qu'il a été roublard, qu'il n'a pas été honnête. Je ne peux pas encore le dire, mais je pense que d'ici quelques jours, je pourrai encore faire une sortie sur lui et dire des choses qui sont encore gardées dans une partie de ma tête. Alors, ces garçons qui m'ont donc agressé, hormis le fait qu'ils m'aient plaqué au mur et qu'ils m'aient arraché mes vêtements sur le corps, qu'ils m'aient arraché mon téléphone, mon sac à dos avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ils n'ont pas levé la main sur moi. Alors, je ne sais pas. S'il faut leur dire merci, ou s'il faut leur faire, ou bien c'est parce qu'ils se sont dit que je suis une femme, mais toujours est-il qu'ils ne m'ont pas tapé.
qui n'ont pas levé la main sur moi, ni giflé. Ils auraient d'ailleurs pu le faire, hein. Ni giflé, ni rien, rien du tout. Ils n'ont pas giflé, ils n'ont pas frappé. Tout était dans l'intimidation verbale. Dans l'intimidation verbale, le roi ne fait pas la politique, le roi n'est pas dans vos affaires, laissez le roi tranquille, c'est une fête traditionnelle, c'est une fête ceci, c'est une comme ça, notre roi ne fait pas ça, notre roi ne fait pas ci. Donc, ils ont fini de faire ça, mes autres compagnons étaient... Bon, c'était la bagarre, hein, c'était la bagarre entre les Olivier Tchanan et les gars de la Belgique et eux. Donc, et je tiens à vous dire que pour vous dire où je doute vraiment que M. Ndi ait passé le message, il y avait... C'est un gars avec les goudins. Ils avaient des goudins. Les becs de baseball, là. Il y avait deux parmi eux qui avaient cela en leur possession. Donc, si M. Ndi avait passé... Je n'arrive pas à vous biper sur la page France de la Jeune du Quatre officielle. Que ce soit Serge Gislain, que ce soit Victorie, je n'arrive pas à vous taguer. Quand je tague vos noms, ça ne prend pas. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas abonné sur la page. Peut-être que vous suivez la page, mais vous n'êtes pas abonné parce que quand je vous tague, ça ne prend pas. Excusez-moi, je vais prendre un mouchoir pour me nettoyer le visage. Il fait très chaud. Donc, on va continuer le petit débrief. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fini de me molester, entre guillemets, de me molester, de me poser des questions, et patati patata, et puis ils n'ont rien trouvé. Ils me disent, allez, rentre. Ils m'ont escorté, ils étaient tous derrière moi, en train de m'accompagner. Rentre. Ma désolation la plus profonde, ce sont ces gens. Ce sont ces personnes qui passaient, ce sont ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui passaient et qui ne se disent pas que cette dame qui est là, qui est en Europe avec eux. Parce que si j'ai fui le Cameroun pour venir me réfugier ici en France, c'est pas parce que mes parents étaient les plus pauvres, mais c'est parce que mes parents n'étaient pas non plus riches. Si je suis parti du Cameroun pour la France, c'était parce que je voulais encore avoir une vie plus meilleure. Je serais resté au Cameroun, je ne serais pas parmi les plus misérables, mais je n'aurais pas eu la vie que je voulais. Parce que dans un pays où les biens ne sont pas distribués comme il faut, c'est triste. Tous ces hommes qui passaient, toutes ces femmes qui passaient sans s'arrêter, qui regardaient de travers et qui passaient sans s'arrêter pendant que j'étais en train de m'agresser, il n'y a qu'une seule femme qui est restée du début jusqu'à la fin de mon agression et qui... Dieu m'entend parler, était de mon côté en disant, pas de mon côté qu'elle portait mon combat. Peut-être de mon côté parce qu'elle ne voulait pas qu'on déshabille complètement une femme comme elle. Peut-être parce qu'elle sait au fond d'elle que ce que je fais est bien. Parce qu'elle aurait pu peut-être même venir me donner des claques, peut-être même aussi venir se joindre à mes agresseurs pour m'agresser. Mais elle ne l'a pas fait. Ma déception, ce sont ces personnes qui passent et qui ont l'air d'être insensibles. Qui n'ont pas l'air de comprendre. Qui, nous tous, on a fui le Cameroun. Que ce soit ces Bamoun qui m'ont agressé, ils ont fui le Cameroun pour venir rester ici en France parce que c'est mieux ici. Si le Cameroun était bien, chacun serait dans son village, chacun serait chez lui en train de mener une bonne vie. Si le roi, dont ils disent qu'on ne touche pas le roi, c'est sacré, c'est ceci, c'est cela. Si ce roi était si sacré que ça, s'il était si puissant que ça, il n'y aurait pas de la souffrance dans le Noun. Il n'y aurait aucune souffrance. Il ne serait pas ici en Europe. Oui, c'est que ce que les gens du Noun sortent du Noun pour venir seulement se balader en Europe et après rentrer vivre chez eux. Vous savez, à un moment, il y a de cela, c'est aujourd'hui qu'on voit les Gabonais en Europe. Avant, les Gabonais ne sortaient pas de leur pays. Ils restaient chez eux parce qu'il y avait l'autosuffisance alimentaire au Gabon. Parce qu'il y avait tout ce que les Gabonais avaient besoin chez eux. Et le Gabon fait partie des pays où on paye, où les gens restent chez eux à la maison, ils sont payés. Vous comprenez? Donc, sinon, les gens sont en train de m'agresser et que mes frères et sœurs du Noun sont en train de passer. Et ça ne les attriste pas. Pourtant, ils ont fui ce pays, même ce même pays que j'ai fui pour venir rester ici. C'est ce même pays qu'ils ont fui. Si c'était bien dans mon pays, je ne serais pas ici. Si c'était bien dans notre pays, eux-mêmes là ne seraient pas ici. Donc, ma désolation, c'est eux. Ce n'est pas ces gens, c'est ces garçons qui n'ont rien dans la tête.
sont des pères, sont des futurs papas ou même des papas. Mais j'ai bien dit que les commentaires déplacés seront systématiquement bloqués. Donc, avant d'écrire, tournez bien vos langues. Vous pouvez penser les choses dans vos têtes. Pensez, gardez ça dans vos têtes. Vous écrivez, je vous bloque. Voilà, parce que votre présence vaut votre absence. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris que un pays pour se construire, il faut que des hommes et des femmes se lèvent. Je dis que un pays pour se construire, il faut que les femmes et les hommes se lèvent. Si les hommes et les femmes ne se lèvent pas pour construire le pays ne sera jamais construit. La preuve, regardez au Cameroun. Le Cameroun ne se construit pas parce que les hommes et les femmes sont assis. Personne ne veut se lever. C'est pour ça que des mécréants comme vous qui venez d'écrire des choses à la con là, vous êtes assis, vous n'êtes pas debout. Donc le pays ne peut jamais avancer. Et que ce soit mon village Bazou, que ce soit votre Noun natal, c'est la même chose. C'est le même tarif. Il n'y a pas mon... Le Noun ne dépasse pas mon village Bazou. C'est la même souffrance. Donc je voulais vous dire que si ce roi, que vous trouvez que c'est quelqu'un de sacré, que c'est quelqu'un, je ne sais pas, le pouvoir surnaturel que vous lui avez donné, s'il était si sacré que ça, c'est que personne ne sort du Noun. Vous avez compris? C'est que personne ne sort de ce village. Parce qu'on trouverait tout là-bas. On trouverait les hôpitaux. Toutes les routes seraient goudronnées. On trouverait l'eau. On trouverait la lumière. C'est-à-dire tout. Autant les terres du Noun sont fertiles, autant qu'est-ce qu'on fait avec? Si ces rois, même avant le fils, le père qui était là, et même peut-être avant le père, celui qui était là avant le père, vous voulez... Vous êtes encore à l'état d'esprit où vous pensez que, à force d'idolâtrer quelqu'un, à force de porter vos meilleurs, vos beaux habits, mais que vos beaux atouts, allez vous pavaner devant quelqu'un, c'est ça qui va changer vos vies. Vous faites quoi en Europe? Quand quelqu'un est puissant, quand quelqu'un a un pouvoir, son peuple ne peut pas souffrir. Je dis que quand quelqu'un a un pouvoir, c'est pour vous dire que son pouvoir qu'il a là, ça s'arrête devant les escaliers de Atanganzi. Vous comprenez? Le pouvoir qu'il a, ça s'arrête devant les escaliers d'Atanganzi. S'il avait un si grand pouvoir, Atanganzi ne serait pas son supérieur. J'ai dit que Atanganzi ne serait pas son supérieur s'il avait un si grand pouvoir. Est-ce que vous savez qu'il obéit aux ordres d'Atanganzi? Est-ce que vous savez qu'il obéit aux doigts et aller à Atanganzi? Vous parlez de quoi? Vous pensez que vous aimez vos rois? Vous pensez que vous aimez votre chef traditionnel? Vous m'agressez parce que je veux un Cameroun nouveau, parce que je me bats pour un Cameroun meilleur. Vous passez et quelqu'un me demande que si c'était madame, c'est un papa qui me pose la question. Madame, est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous pouvez faire ça à votre chef traditionnel. Je lui ai dit exactement que je me suis assise sur la chaise du chef Bazou au Quai Branly. Je suis debout. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Et je le dis toujours, même à Eric Kwaku Goff, je dis à Eric Kwaku Goff que si je ne me suis pas assise sur la chaise du roi Joya au Quai Branly, c'est parce que je n'aime pas l'ONU. Je ne peux pas m'asseoir sur une chaise où il y a les dessins avec l'ONU, c'est parce que je n'aime pas l'ONU. Sinon, je me serais assise dessus et j'aurais pris la photo. Vous prenez un être humain qui est né comme vous, qui est sorti dans le sud d'une femme avec la tête comme vous, vous voulez faire de cette personne quelqu'un, comme les gens ont donné à Paul Biya un pouvoir éternel, un pouvoir surnaturel, il a le droit de vie et de mort sur la vie des gens. Vous prenez un même être qui est né comme vous, qui est fait de chair et de sang. Vous l'adulez même plus que vos propres parents. Vous êtes capable de lui donner même tout votre salaire. Mais si vous êtes aussi fort, aussi puissant, mais je vous exhorte à genoux d'aller développer votre village. D'aller développer votre village. Quand on dit roi, le roi, c'est celui qui s'assoit à la table des présidents. Vous comprenez? Le roi, ce n'est pas celui qui écoute les ordres d'un ministre. Le roi, c'est celui qui parle, qui discute avec les grands hommes, avec les présidents. Vous appelez un chef traditionnel, quelqu'un qui s'arrête, quelqu'un qui attend, lui donne un coup de fil, tout bouge, vous êtes prêts jusqu'à vous dire, on ne fait pas ça quoi? On ne fait pas ça quoi? Le Noun est différent de mon village Bazou. Il y a quelle différence? Autant à Bazou il y a la souffrance, autant dans le Noun il y a la même souffrance. La différence est où? Vous pensez que je n'aime pas mon ou c'est mon chef, ou c'est mon roi, vous pensez que je ne l'aime pas? Vous passez, vous ne vous arrêtez pas. Vous avez l'air d'être insensible.
Vous dites qu'on ne vous fait pas ça à vous. On ne vous fait pas quoi? J'ai envie de savoir. On ne vous fait pas quoi? Parce que ce n'est pas moi qui peux vous faire quelque chose. Je ne peux même pas vous inquiéter. Je ne suis même pas la personne avec qui vous pouvez faire un défi. Je ne suis même pas... Je suis mal placé pour faire un défi avec vous. Mais je vais vous rappeler que s'il y a quelqu'un avec qui vous devez faire un défi, c'est Atangandi. Ce n'est pas moi. C'est Atangandi. Vous comprenez? C'est avec Atangandi qu'il faut aller faire le défi. Parce que votre roi, que vous avez refusé qu'il soit le mien, dimanche dernier, quand je venais le voir, vous avez refusé. Vous avez dit qu'il n'était pas mon roi. C'est parce que s'il avait été également mon roi, comme je le disais, dans mes lives précédents, où je l'appelais papa, vous m'aurez laissé le voir. Vous ne m'aurez pas déshabillé. Vous ne m'aurez pas... Vous ne m'aurez pas agressé. Vous l'avez fait parce que vous estimez que ce n'est pas mon roi. Vous estimez que ce n'est que votre roi à vous. Mais que faites-vous donc? Aussi nombreux à l'étranger? Que faites-vous donc aussi nombreux à l'étranger? Je vais vous poser une question. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Quand les propriétaires du pays, ont cassé à Saint-Milima, ils n'ont pas fait la différence entre l'anglophone, entre le Bamileke et entre le Bamoun. On était tous dans la même casserole. Vous comprenez? J'ai dit qu'on était tous dans la même casserole. De la même façon qu'ils ont cassé le Bamileke, c'est cette même façon qu'ils ont cassé le Bamoun, c'est la même façon qu'ils ont cassé l'anglophone. Parce que pour eux, c'est le même tarif. Alors, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Papa Nabil Njoya, que vous avez vu là, quand il y a eu les casses de Saint-Milima, Papa Nabil Njoya devait aller à Saint-Milima, rencontrer, parce qu'il était en train de faire une tournée. C'est la suite de sa tournée là qu'il vient continuer ici en Europe. Il était censé donc s'arrêter à Saint-Milima pour rencontrer les gens. Non, pour eux, Stanley, pour eux, ils ne sont pas Bamileke. Ils ne sont pas Bamileke. Parce que si c'était Bamileke, il y a des choses qu'ils ne pouvaient même pas faire. Ils ne sont pas Bamileke. Peut-être que c'est toi qui vois qu'eux sont Bamileke, mais eux, ils ne voient pas qu'ils sont Bamileke. Donc, je vous dis donc à mes frères du Noun, à mes frères que, et sœurs du Noun, que après les casses de Saint-Milima, où on n'a pas fait de distinction entre le Bamoun, le Bamileke et l'anglophone, où on était tous dans le même panier, où on a cassé nos boutiques, cassé tout et tout et tout et tout, le roi, pendant sa tournée, était censé s'arrêter à Saint-Milima pour rencontrer sa communauté. Hein? Pour rencontrer qui? Sa communauté. Tout était prêt. On a monté les tentes. On a tout organisé. Monté même le podium. Il dit monter tout. Il dit bien monter tout. On a tout organisé. Sauf que, Atangandi, comme je vous ai dit tout à l'heure que il s'arrête les escaliers d'Atangandi, ce monsieur, parce qu'ils ont refusé tous de s'affranchir de ce gouvernement, ils dépendent tous aujourd'hui d'un petit ministron, voleur, qui n'est même peut-être même pas allé à l'école plus que eux, mais ils dépendent tous de ce petit ministron. Qui a même fait la prison, ils dépendent tous de lui. Donc, votre roi, comme vous avez refusé qu'il soit le mien, sa part de force s'est arrêtée là-bas devant la porte d'Atangandi. Parce que Atangandi a appelé, a dit, tu ne vas pas à Saint-Milima. On a démonté tout, le podium, tout. Et la cérémonie a été annulée sous ordre d'Atangandi. Je dis bien sous les ordres d'Atangandi. Quand vous... Quand vous vous trompez de cible, quand vous vous trompez de personne, vous êtes complètement, c'est-à-dire que vous êtes complètement perdu. Parce que vous êtes trompé de cible. Atangandi, sous un coup de fil, un seul coup de fil, a passé un seul coup de fil. Et je ne pense même pas que Atangandi a passé un coup de fil. C'est juste que les gens de Saint-Milima ont dit qu'ils ne voulaient pas ça chez eux. Vous comprenez? Les gens de Saint-Milima
ont dit qu'ils ne voulaient pas ça chez eux. Et du coup, ils ont passé les coups de fil. Et du coup, Atangandi a dit au roi que tu peux faire le tour du Cameroun, mais tu ne t'arrêtes pas à Sanmélima. Vous entendez? Si je mens, appelez les Bamoun de Sanmélima, vous leur posez la question. Ils disent, si je mens. Atangandi lui a dit que tu peux faire le tour du Cameroun, mais tu ne t'arrêtes pas à Sanmélima. Et le roi, comme ils ont pris, ils ont accepté d'être les employés d'Atangandi, a fait le tour du Cameroun et ne s'est pas arrêté à Sanmélima. Voilà ce que nous déplorons. Voilà ce que nous déplorons. Voilà ce que nous dénonçons. On est conscient que ce n'est pas le roi qui gère le pays. Mais on est conscient que ce roi, le gouvernement se sert d'eux pour venir manipuler les populations, pour venir mentir aux populations. De la même façon que le gouvernement se sert des chefs traditionnels, c'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de différence. Si je boycotte mon chef traditionnel, je peux boycotter le roi. Ça dit, pour moi, c'est la même chose. Votre roi n'a pas pu aller donc consoler ses enfants, ses frères et sœurs qui sont à Sanmélima. Est-ce que vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire qui se passe à Sanmélima? C'est de plus en plus récurrent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé en 2000, en 2000 avec machin. Non. Ça a commencé depuis. Même son papa qui était là avant n'a pas pu. Parce qu'il y a des zones de non-droit. Il y a des zones où tu ne peux pas aller toucher fort. Il y a des zones où on te montre que ici, c'est les propriétaires du Cameroun. Donc, même si tu fais n'importe quoi, quand tu arrives là-bas, tu t'arrêtes. Vous comprenez? Donc, quand vous venez en France, vous partez de partout, pour venir rencontrer votre roi, c'est par respect, on le comprend. Vous dansez vos danses traditionnelles, c'est... Moi-même, quand le roi de mon village, mon chef traditionnel vient, c'est la même chose. On va danser, on va le saluer. Mais après, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que lui, il vous apporte en retour? Il apporte quoi à ses populations en retour? Ce roi, si aimé, si chéri, vous le chérissez tellement, il est tellement mis sur un piédestal. Qu'est-ce qu'il vous apporte en retour? Mon village qui n'a pas de roi, qui n'a pas de dispensaire, qui n'a pas de grand hôpital, qui n'a pas d'eau, n'est pas différent de votre village, qui est un roi. Et un roi que vous refusez de partager avec les autres gens. Un roi que vous refusez à VDK de lui parler. Parce que vous estimez que VDK n'est pas du nous, n'est pas parlé à votre roi. Pourtant, M. Ndi, qui est son secrétaire, nous a dit que le roi est le roi de tout le monde. Qu'il est prêt à recevoir tous les Camerounais. Qu'il est prêt à parler avec tous les Camerounais. Et c'est pour ça que VDK, avec son joli dop, s'habillait pour aller donc rencontrer ce roi. Dont le secrétaire nous avait dit qu'il était prêt à parler avec tous les Camerounais et qu'il était ouvert au dialogue avec tous les Camerounais. Vous m'adressez, vous prenez mon téléphone, vous jubilez, vous dites dans le monde entier que vous m'avez humilié. Non! Vous ne m'avez pas humilié. Vous avez humilié encore une fois de plus votre tribu. C'est vous que vous avez, c'est vous. Parce qu'en fait, des hommes forts se battent pour des grandes causes et pour des vraies causes. Je dis bien, les hommes forts se battent pour des bonnes causes et des vraies causes. Les hommes forts ne se battent pas pour protéger Je ne me permettrai pas d'aller jusqu'au bout de ma pensée parce que je ne vais pas manquer de respect à ce roi. Que quelqu'un m'a dit qu'il peut même être votre fils, mais je n'ai pas l'âge d'accoucher un enfant de plus de 30 ans. Même si j'avais accouché à 14 ans, mon enfant ne peut pas avoir 30 ans. Je n'ai pas l'âge d'avoir, je ne peux pas accoucher un enfant de plus de 30 ans. À part que ce roi ait moins de 29 ans, ou qu'il soit entre 28 et 29 ans, il pouvait sortir de mon zout. S'il a dépassé cet âge-là, je ne peux pas passer. Là, je dis que ça dit que j'ai peut-être m'accouché à 15 ans, 14 ans. Donc, passer ça, il ne pouvait plus m'accoucher un enfant de cet âge. Et même s'il avait été mon fils, je ne partais pas parler à un ennemi. Je partais parler à quelqu'un que je considère comme mon père, vu les rangs et les clauses de la tradition. Vous m'agressez et vous jubilez. Vous dites que
vous allez gagner. Et je vois les gens brandir cela en trophée. Oui, je suis un trophée. Mais le plus beau et le plus grand des trophées. Je suis le plus beau et le plus grand des trophées pour vous. Je vous dis que les grands hommes se battent pour les vraies causes, pas pour les causes inutiles. Moi, je me bats pour les vraies causes parce que je me bats pour la cause Cameroun. Je ne me bats pas pour mon chef du village. Je ne me bats pas pour ma mère. Je me bats pour la cause qui est plus grande que ça. Je me bats pour la cause qui est plus grande que le roi, qui est plus grande que mon chef traditionnel, qui est plus grande que mon papa. C'est la cause Cameroun. Les grands hommes se battent pour ça. Vous vous battez, vous êtes prêts, vous portez les goudins, vous marchez les goudins en pleine rue à Paris pour quelqu'un. Autant, il a une importance traditionnelle, mais il ne change pas. L'État, en s'immisçant dans nos chefferies, a empêché à ces hommes de changer les vies de nos populations au village. Vous avez un plateau technique dans le Noun. Est-ce que vous avez un hôpital de référence là-bas? Je vous demande si vous avez un hôpital de référence dans le Noun. Parce qu'à Bangaté, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hôpital de référence à Bangaté. Je veux donc savoir si peut-être dans le Noun, on vous a gratifié. Vu que vous avez des rois, que vous êtes un peuple, vous êtes un royaume dans un pays. Vu que vous êtes un royaume dans un pays, donc vous avez donc quoi que mon village n'a pas? Vous dépassez mon bazou natal avec quoi? S'il faut faire une différence, s'il faut aller dans un truc de différence pour dire que oui, comme c'est le roi, comme il gère un royaume, comme le Noum, c'est un royaume. Avez-vous un plateau technique là-bas, s'il vous plaît? Parce que si quelqu'un tombe très malade dans le Noum, on va le sortir du Noum pour l'amener à Yaoundé ou à Douala. C'est là-bas qu'il y a des hôpitaux de référence. Il y a quel hôpital de référence dans le Noum? Hein? Quelqu'un m'a écrit pour me dire que, mais, VDK, est-ce que tu sais qu'à la chefferie, donc, dans la chefferie, la chefferie, c'est la case du roi, hein? Dans la chefferie, est-ce que tu sais que à la chefferie, il y a un dispensaire, il y a un groupe électrogène, il y a l'eau. Mais le peuple n'a pas tout ça. Et c'est moi que vous dites que vous avez humilié. Quand vous laissez le vrai combat des grands hommes pour venir combattre moi, ma petite personne, et vous jubilez sans avoir honte, vous envoyez des TikTok partout. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça au Bamoun. Je n'ai pas envie. Parce que moi, je ne viens pas là pour inciter une tribu. Je ne viens pas là pour ça. Sinon, je vous aurais copieusement lavé avec ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Mais je m'abstiens. Parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a le bon, il y a le mauvais. Moi, j'ai vu une femme venir à mon secours pendant que je me faisais agresser. Et je me dis que dans tout, il y a le bon, il y a le mauvais. Vous ne pouvez pas vous pavaner. J'ai vu la banderole. Une banderole où on dit stop à la guerre à l'Onozo. Mes frères du Noun sont montés dessus. Ils étaient en train de piétiner, en train de danser dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans le Nozo qu'il y a la guerre, mon frère. Vous ne vous imaginez pas que ça va arriver bientôt chez vous. Je ne veux pas ancrer dans les choses ethniques. Parce que même les gens qui ont fui la guerre dans le Nozo pour venir se refuser chez vous, certains sont en train de les chasser, de les repousser. Je n'entre pas dans ça. Je ne peux pas non plus rentrer dans que même là-bas dans le Noum, vous chassez vos frères bamiléké. Je n'entre pas dans ça. Parce que dans toutes choses, comme il y a le bon béti, il y a le bon, il y a le mauvais béti. Comme il y a le bon ressortissant du Noun, il y a aussi le mauvais ressortissant du Noun. Comme il y a le bon bamiléké, il y a aussi le mauvais bamiléké. Donc dans toutes choses, il y a le bon et le mauvais. Dans toutes choses. Je ne peux pas donc me permettre de stigmatiser toute une tribu. Parce que dans chaque tribu, il y a le bon, il y a le mauvais. Et je sais faire la différence. Si je faisais mon live pour stigmatiser toute la tribu, parce que ces rientons qui m'ont agressé ne représentent pas tout le Noun. Dans le Noun, le peuple est en souffrance, malgré qu'il y a un roi. Je dis bien, dans le Noun, le peuple est en souffrance, malgré qu'il y a un roi. À Bangaté, Et
16 ans. Tu dis qu'en France, il fait chaud. Il fait très chaud même. Je n'ai pas l'argent pour mettre la clim, mon frère. Je n'ai pas l'argent pour mettre la clim. Mais tu peux cotiser dans la cagnotte, là, comme ça, le mois prochain, dans mon prochain live, tu vas voir que la clim sera installée là-bas en haut, en train de faire un prum, 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 prum. Donc, il y a le PayPal qui est là, non, mon frère. Comme en France, vous pensez qu'on a pas l'argent en route, même qu'on a, on a fui le grand frère de la misère au Cameroun pour venir ici, même ici, il faut encore se battre. Donc, comme tu me conseilles d'avoir la climatisation et que je suis encore au niveau du papier, parce que le ventilateur, si je mets le ventilateur, ça va faire le bruit, vous n'allez pas m'entendre. Je te conseille donc de mettre l'argent dans la cagnotte. Comme ça, le mois prochain, dès que j'ai fini, je prends la cagnotte, j'ouvre. Je vois que tu as mis 4000 euros dedans pour m'acheter le climatiseur. Le mois prochain, quand je vais encore faire mon lac, je vais voir avec la clim, mon frère. Mais pour l'instant, ma climatisation, c'est ça. Et ça ne chauffe pas. Tu veux que je fasse comment? Que j'enlève une fois tout. Que j'enlève le peu que j'enlève le peu que les bambous n'ont laissé. Parce que j'ai déjà tout baissé. Donc, tu veux que j'enlève le peu que les bambous n'ont laissé, mon frère. Il fait chaud. Mets l'argent dans la cagnotte. Comme ça, je vais acheter le ventilateur, je vais acheter la climatisation avec pour me climatiser. Hein? Ah oui, mais tout c'est l'argent. Est-ce qu'on ramasse le climatiseur? Donc, pour revenir à nos moutons, je voulais donc vous dire que je veux pas. Ces gens qui vont en question ne représentent pas tout le monde. C'est une partie. Et c'est dommage parce que je vais vous dire aujourd'hui que la brigade anti-Sardina a beaucoup changé. Pendant que ces gens étaient en train de célébrer quand le roi est arrivé, et tout, avec tout ce qui s'est passé, la police, tout, le roi est arrivé, le roi a été installé, il a pris place, ils ont commencé à danser, à chanter. On aurait pu, toutes les voitures. Je vous dis bien, à vous qui m'avez agressé, je vous dis que on aurait pu prendre toutes vos voitures, one by one, crever tous vos pneus. Je dis bien one by one, parce que toutes vos voitures avaient les immatriculations étrangères, sans compter ceux même que vous avez loués. On aurait pu tous crever vos pneus. Je vous dis, s'il fallait rendre le mal que vous m'avez fait, s'il fallait rendre ça coup sur coup, on aurait déglingué vos voitures. Vos voitures étaient garées là. On a vu vos voitures. On n'a pas touché. Parce qu'on ne venait pas faire du mal aux gens qui n'ont en fait aucun pouvoir. On venait faire un échange. Vous allez finir de célébrer votre roi. Vous allez finir de jubiler avec votre roi parce que vous n'êtes pas censé dormir là jusqu'au matin. Et à l'heure que vous allez terminer, à une heure tardive, où il n'y a plus de mécanicien, où tout est fermé, quand vous allez entrer dans vos voitures, vous démarrez, vous voyez que il y a tous les quatre roues sont à terre. On ne l'a pas fait. Mais ça a été suggéré. Ça a été débattu. Ça a été débattu. Et encore pour une fois, comme on est avec des hommes, avec des choses dans la tête, le général Wante nous a dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faisons pas ça. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ne touchez pas leur voiture. Vous savez, Olivier Tianan, on l'appelle là, comme vous dit, le fou. Vous savez ce que quand on est déjà dans l'eau, vous savez. Olivier Tianan, quand ça tourne dans sa tête, on ne peut plus contrôler. Donc, si on voulait faire tout ça, on aurait fait. On n'a pas crevé vos voitures, des pneus de vos voitures. On a laissé tout ça là. On n'a pas cassé. On n'a rien cassé. On a tout laissé. Parce que, devant nous, il y a un monsieur qui est le général Wante, avec qui, quand on sort, on ne peut pas être d'accord sur tout et sur toutes les décisions. Mais il y a des choses que quand il parle et qu'il tape le poing sur la table, il dit je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. On est obligé de s'aligner. Sinon, après, quand vous serez sorti de là, vous allez trouver toutes vos voitures. Je dis bien toutes vos voitures avec des pneus crevés. Ça aurait coûté à chacun de vous ce que ça allait coûter.
Est-ce qu'on l'a fait? Parce que vous étiez en train de crier. Vous étiez en train de crier. On vous entendait étant dehors. Hein? Puisqu'on est resté là longtemps. On est resté là longtemps. Quand cette agression s'est passée, on était encore là, on n'a pas bougé. On a appelé, le secrétaire du roi qui nous a dit être dans le cortège du roi. Je vais encore que je vous explique bien. Quand on l'a appelé, parce que moi je n'ai pas de téléphone, le général Wanto a essayé de le joindre. Annie Choco a appelé Serge Gislain qui était dans la conversation, dans le col. Le général Wanto était dans le col. Serge Gislain était dans le col pour parler avec le secrétaire du roi. Donc, Serge Gislain appelle le secrétaire du roi et lui fait comprendre que. Il dit non, je suis au courant. J'ai dû être appelé là. On m'a dit que effectivement il y a eu des échanges entre certains gars de la sécurité du roi et vous. Et effectivement, je suis au courant qu'un téléphone a été confisqué. Là, il nous dit ça, il était encore dans la voiture. Il n'était même pas encore arrivé au lieu de la cérémonie. Il dit que non, oui, effectivement, j'étais au courant qu'un téléphone a été pris et tout. Mais ne vous inquiétez pas. Quand je vais arriver, je vais récupérer le téléphone. Je vais résoudre ce problème. Quand le secrétaire du roi est arrivé sur les lieux, on a continué à l'appeler. Pas de réponse. On s'est dit que oui, bon, il vient d'arriver. Il y a trop de bruit. Il faut installer le roi. Le représentant du roi, voilà, le représentant du roi en Europe. Il faut l'installer, et patati et patata, le représentant du roi. Merci de me corriger, Serge. Il faut l'installer et tout. Donc, on a compris qu'il devait être dans l'organisation. Et effectivement, contre le représentant du roi en Europe, il devait vraiment être vraiment, vraiment au plus près dans l'organisation. Donc, on l'a appelé, donc, à un moment donné, il ne décrochait plus et tout. Et après, on a eu le retour via Serge Gislain. Il nous a expliqué que, effectivement, le roi, parce que quand j'ai fait une publication en disant que le roi me connaît, mais le roi connaît VDK, certains ont trouvé que je voulais me la péter. Non. Je voulais tout simplement faire comprendre aux uns et aux autres qu'il sait ce qui s'est passé. Il sait qu'il y a une dame qui a été agressée par ces sujets. Il sait que la dame en question venait lui transmettre un message. Et d'après le secrétaire du roi, le roi était très en colère de ce qui s'est passé. On n'était pas là. On comprend que ce que le secrétaire du roi dit. Le roi était très en colère et a voulu qu'on lui remette le téléphone. Sauf que les garçons qui ont pris ce téléphone ont, dans un premier temps, nié avoir pris ce téléphone. Et quand la colère s'est poussée loin, ils ont reconnu avoir pris le téléphone, mais qu'ils gardaient mon téléphone comme trophée de guerre. Voilà les propos du secrétaire du roi dans le téléphone de Serge Gislain. Voilà ce qu'il lui a dit. Que ces garçons ont décidé de garder mon téléphone comme trophée de guerre. Ils ont gardé mon téléphone. Ils ont gardé les banderoles du CCD qui coûtent. Une banderole coûte. Une banderole coûte 150 euros. Ils nous ont pris deux banderoles. Ils ont pris, sans compter les vêtements qui ont été déchirés lors de la bagarre, sans compter les chapeaux traditionnels qui ont été pris de part et d'autre. Alors, après cela, le secrétaire du roi a continué à échanger avec le secrétaire du roi. Et d'après ses propos, il était très en colère. Il voulait même envoyer une délégation venir chez moi me rencontrer pour présenter des excuses et tout. Il a même proposé passer chez moi à la maison. Hein, passer chez moi à la maison parce que ça le gênait. Je vous ai dit au début de ce live que ce monsieur, avec lequel on a discuté le matin, me semblait être quelqu'un réfléchi, me semblait être quelqu'un assez. Il vit en Europe, hein, il ne vit pas au Cameroun, il vit en Europe depuis des années. C'est quelqu'un qui vit ici avec nous. Donc, quand on dit le secrétaire du roi en Europe, c'est le secrétaire du roi en Europe. Donc, et je pense que c'est lorsqu'on a dit, et il a même dit, bonjour Père Wako, que effectivement, vous savez, si cette dame va porter plainte, si cette dame a porté plainte, nous, on se désolidarise, on se désengage.
Quand tu parles de Mohamed Lefi était bien là. Mohamed Lefi, vous m'amusez. Ce monde m'amuse beaucoup. Cette toile m'amuse beaucoup. Mohamed Lefi, je n'aime pas, comme vous voyez là comme ça, je n'aime pas dire que j'ai fait ceci à quelqu'un parce que je ne suis pas. Quand tu fais quelque chose, quand tu vois une vidéo qui te plaît, tu prends, tu la partages, c'est parce que tu trouves que la vidéo, elle est intéressante, elle fait rigoler. Je connais Mohamed Lefi. Il me connaît. On se connaît. Je le connais, on se connaît. On s'est déjà parlé au téléphone en call. On s'est envoyé même les messages parce que j'ai eu à partager une de ses vidéos à ses débuts et ça fait un carton au niveau des vues sur ma page. Donc, Mohamed, mes filles, on se connaît très bien. Ce n'est pas la peine. C'est pas la peine de trop bavarder pour rien. Parce que Mohamed, mes filles, il était là. Il était sur les lieux. Il avait fait une vidéo là dans laquelle il disait qu'il va faire ceci, il va faire cela. Mais je peux vous dire que s'il n'y avait pas la sécurité du roi, il n'aurait même pas ouvert sa bouche. Il n'aurait même pas ouvert sa bouche. C'est parce qu'il y avait, il y avait la sécurité qu'il a pu parler, qu'il filmait pour mettre sur TikTok et tout. Et il appelle ça une victoire. Ce n'est pas une victoire. Bonjour, Madame Jess. Ce n'est pas une victoire. Parce que je vous ai dit tantôt que les grands hommes se battent pour les grandes causes. Les grands hommes se battent pour les grandes causes. On peut dire tout ce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez de nous, mais nous nous battons pour les grandes causes. Se battre pour la cause de son pays est un grand combat. Et si ces gens ont considéré que je suis un trophée, mais qu'ils sachent donc que je suis le meilleur de leur trophée. Oui, ils peuvent. C'est-à-dire, je suis le meilleur de leur trophée. Parce que quand vous vous attaquez à une personne qui se bat pour son peuple, qui se bat pour la libération de son peuple, qui se bat pour que même les papas et leurs mamans, à qui ils envoient 25 000, 50 €, 75 € tous les fins du mois, que leurs conditions de vie changent. Ça veut dire que je me bats pour une grande cause. Ça veut dire que je suis le plus beau trophée. Parce que je ne me bats pas pour ma mère. Je me bats aussi pour leur maman qui est restée au Cameroun. S'ils ont fui le pays comme moi, c'est parce que c'était dur. C'est parce que c'était dur. Si le secrétaire du roi Andoro n'a pas respecté sa parole, ça prouve. Et ça rejoint ce que les gens disent, que les gens sont comme ça, comme ça, comme ça. Ils ne tiennent pas les paroles. D'autres vont dire ceci, cela. Mais je dis, les grands hommes mènent les grands combats. Quand je vois les papas comme ça en Europe sortir avec le gourdin pour venir parce qu'ils viennent combattre les Camerounais, parce que les Camerounais viennent transmettre un message à leur roi, ils sortent avec les gourdins. Si il fallait mettre tous les gourdins là, c'est-à-dire que tous les goudins là, dans un conteneur, vous envoyez ça directement à Sangmélima. Ça va aider vos gens là-bas. Ce n'est pas chez nous, ici, que vous allez utiliser les goudins. Il faut mettre tous les goudins là, mes frères. Mettez tous les goudins là dans un conteneur. Vous envoyez ça directement à Sangmélima. Ça va aider les gens là-bas. Parce que quand les gens viennent les attaquer, vous cassez les boutiques et tout et tout et tout. Vous allez même pour mettre les américains de Sangmélima. Ça va les aider. Vous sortez avec les goudins. Vous courez, vous montez, vous courez par-ci, par-là. Vous faites la chasse à l'homme avec les goudins. Mais ce n'est même pas qu'on les laisse croire que c'est une victoire. Puisqu'ils ont célébré. Ils ont célébré ma voix déshabillée. S'ils le célèbrent, ça veut dire que je suis un si grand trophée pour eux. Je suis un si grand trophée. S'ils ont célébré. Parce que les gens ont oublié les véritables causes pour lesquelles on se lève. Ils ont oublié les véritables raisons pour lesquelles on se lève. Ils pensent qu'on se lève pour venir empêcher leur roi de venir prendre l'argent qu'ils vont cotiser, 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 cotiser et lui donner. Non! 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 Les goudins que vous êtes sortis avec pour venir m'agresser, mettez-en dans un contrat, vous envoyez à Assemblée. C'est là-bas qu'on a besoin, là-bas à Assemblée, et à Kiosi et partout, partout. On a besoin de ça là-bas. Ici, en France, c'est les goudins pour faire quoi? Ça va les aider. Vous trompez complètement de combat, vous trompez complètement. On est là pour se passer un message. Vous sentez, parce que quand je viens parler à un être humain, mais vous avez le même comportement que les gars du corps de Biya qui ont cassé le pied de Savannah. Parce que les gens ne se comprennent. Et en plus, c'est un président. Le roi, c'est le président. Quand vous dites que son pouvoir s'arrête sur les escaliers d'Atangandi, vous ne comprenez pas. Parce que vous sortez avec les goudins dehors.
Le roi, c'est le président. Il décide de quoi dans notre pays? Il décide de quoi dans notre pays? En dehors de vous dire chaque jour là que de vous induire en erreur, que vous portez des vies du RDPC sur lui, il décide de quoi? Alors que le roi devait être celui vers qui le peuple dit que monsieur le roi, quand tu vas parler à Paul Biya, dis-leur que nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons les hôpitaux, nous voulons la lumière, nous voulons ceci, s'il veut qu'on le vote. C'est vous qui devez être la courroie de transmission. C'est vous qui devez être la courroie de transmission entre Biya et le peuple. Vous devez, le roi doit être la courroie de transmission, comme les chefs traditionnels. C'est-à-dire que, et donc, quand le peuple transmet donc le message comme ça au roi, le roi ou le chef qui m'a dit au président que, monsieur le président, mon peuple a dit que, mon peuple a dit que, mes populations, mes sujets ont dit que si vous voulez qu'on vous vote ici, mettez-nous les routes, mettez-nous la lumière, mettez-nous l'eau, mettez-nous les hôpitaux, mettez-nous ceci, mettez-nous cela. Et le président lui dit que non. Ok, d'accord, j'ai compris les doléances du peuple. Je peux vous mettre les routes, je peux vous mettre l'électricité, je peux vous mettre la lumière pour mon premier mandat. Il vient dire au peuple qu'il a dit qu'il va vous faire ceci. Mais non, ce n'est pas ça. Il n'a pas cette cap, il n'a pas ce pouvoir. Même si il n'a pas. Parce qu'effectivement, il n'a pas la capacité d'aller vraiment négocier à la grande table des décideurs, avec les vrais décideurs du pays. Sa place n'est pas là-bas. Les décideurs du pays se servent de lui pour avoir le pouvoir. Et lui, il prend le peu que les décideurs lui donnent pour lui et sa famille. Et pendant ce temps, les populations sont en souffrance. C'est ça que vous avez oublié quand vous êtes venu m'agresser. Vous avez oublié que chaque fin du mois, vous envoyez de l'argent à vos mamans au village. Chaque fin du mois, vous envoyez de l'argent à vos papas au village. Chaque fin du mois, vous envoyez ceci. Parce que, effectivement, le peuple est en souffrance. Pas le peuple de Bazou seulement. Le peuple du Noun aussi. Le peuple de Sangbélima aussi. Le peuple de Kolafamba aussi. Tout le peuple. Le peuple de Makak. On est tous dans la souffrance. Quand je vois des gens. Beaucoup de gens qui supportent Paul Biya étaient très contents de cette altercation et s'en sont servis. Mais c'est dommage en fait. C'est dommage parce que vous savez, le comportement que vous avez eu, c'est le même comportement que les Sardinats ont. C'est-à-dire qu'ils préfèrent continuer à garder quelqu'un qui est médiocre, qui n'est capable de rien, qui n'apporte rien au peuple, mais pourvu qu'il soit de leur village. C'est le même comportement que vous avez eu, la même attitude, à 100%. À 100%. Je vais pour clôturer cette page concernant le boycott du roi, je vais tout simplement dire à ceux qui ont douté, à ceux qui ont pensé qu'on pouvait nous donner des injonctions, qu'on pouvait nous empêcher d'aller quelque part, on pouvait nous intimider. Vous avez vu qu'on ne nous intimide pas, on y est allé. On y est allé. On a fait passer le message. Le roi sait qu'il y a des Camerounais qui sont venus le voir. Même si on ne s'est pas vu, même si la rencontre n'a pas été possible, il sait que la cérémonie qu'il est venu faire en diaspora a été perturbée. Il y a eu tellement de forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre sont restées là-bas presque jusqu'à la fin parce qu'ils ne voulaient pas que l'altercation continue. Oui. Parce qu'entre-temps, certains combattants sont venus nous retrouver sur place. Et les forces de l'ordre sont restées là-bas. Je vous dis bien, sont restées là jusqu'à la fin. Donc le roi sait qu'il y a des Camerounais qui sont venus le voir. Le roi sait pourquoi on était là. Et le but du boycott, c'est ça, faire passer un message. Quand vous voyez grâce des cas, de demander que, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Quand elle demande aux gens avec qui ils sont en communication, elle dit, qu'est-ce que vous me reprochez? Merci beaucoup, Colette Keller. C'est parce qu'elle sait. Et on lui dit qu'on te reproche ceci.
Si on n'était pas allé la boycotter, elle n'aurait jamais demandé que qu'est-ce qu'on lui reproche. C'est parce qu'elle sait que quand on vient lui reprocher pour passer un message, donc elle demande, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Je suis allé donner à manger en prison. Je suis allé donner ceci en prison. On lui dit que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'aller demander, d'aller donner à manger en prison. Il ne suffit pas d'aller demander, d'aller donner à manger en prison. On te dit que il faut quand même, comme tu chantes pour Paul Biya, tu chantes pour Madame Bigou, il faut quand même leur dire que le pays va mal. Donc quand vous dites que le boycott du roi n'a pas réussi, j'ai envie de rire. C'est un boycott qui a réussi à 1000%. Parce que le message est passé sans même qu'on ait même plus besoin. Ces sujets, dans leur maladresse, dans leur sens d'irresponsabilité et de traîtrise, ont rendu la rencontre qui n'a même plus se passer sans les projecteurs, ont mis et ont informé le monde entier que la rencontre, les gens venaient passer un message au roi et tout le monde entier était au courant. C'est grâce à eux que effectivement le monde entier a même su que des gens partaient pour écouter le roi. Parce que si ça s'était passé comme on voulait, juste discuter comme ça, parler au roi, le monde entier n'aurait même pas su que les Camerounais sont même mécontents de la proximité et même d'avoir vu Franck Biya avec ce nouveau roi, Nabil Njoya. On n'aurait jamais su. C'est pour vous dire que ce boycott a tellement réussi. Je suis aujourd'hui tellement contente parce que les gens ont dit, quand même Annie Choco disait, ouais Nadine, vraiment, regarde comment je suis triste de voir comment ils ont. J'ai dit que Annie, laisse que ma photo là arrive même avant me casse. Parce que ça me plaisait que cette photo arrive partout dans le monde entier. Parce que ma photo est synonyme de boycott du roi. Oui. Ma photo est synonyme de boycott du roi. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de m'humilier. Mais ils étaient plutôt en train de répandre mon message partout, partout. Que voilà la femme qui venait parler au roi. Voilà la femme qui venait transmettre un message. Mais malheureusement, comme ils ont voulu montrer qu'on ne fait pas ça aux gens du Noun, quelque chose qui devait être caché, ils ont mis aux yeux du monde entier. Et ils ont prouvé au monde entier, même s'ils ont prouvé qu'ils sont baba, mais ils ont prouvé au monde entier que n'importe qui peut venir parler à leur roi. Ah oui, c'est eux qui ont rendu ce boycott du roi qui aurait pu se passer. Si M. Ndi, le secrétaire du roi, avait accepté que la rencontre se fasse, vous ne serez pas au courant. Vous n'aurez pas été au courant que vraiment une délégation de la brigade du boycott est allée rencontrer ce monsieur. Vous n'aurez pas du tout été au courant. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que quand nous, on sort, on a beaucoup de façons de faire transmettre les messages. Quand nous, on va boycotter Paul Biya à Genève, vous croyez que vous pensez vraiment que quand nous, on sort là, moi si, la maman que vous voyez ici, donc parce qu'elle n'est pas arrêtée Paul Biya, vous pensez qu'elle peut aller l'arrêter. Mais on sait que Paul Biya, étant prêché en haut dans son hôtel, il sait qu'il y a des gens en bas qui ne sont pas contents de sa présence. On est conscient que jamais, au grand jamais, on ne mettra la main sur Paul Biya. On est conscient, parce que nous ne sommes pas l'armée. On n'est même pas les forces de l'ordre. On n'est même pas la police. On n'a même aucune arme qui peut nous permettre de traverser sa sécurité personnelle avant même de parler de la sécurité même de l'hôtel. Donc vous pensez, pour nous, quand on va à Genève pour aller dire qu'on va chasser Biya, c'est parce qu'on sait que quand la police va sortir et venir vers nous pour faire le corps à corps, c'est déjà une grande victoire. Nous, on passe le message. C'est avec ça que les gens récupèrent pour faire les équinoxes, pour faire les... C'est ça que le monsieur de Vision Caca prend pour dire qu'une bande de ceci, comme ça, une bande de femmes ménopausées en France avec des cheveux blancs. Non. Merci à ces garçons qui ont mis Manu, qui m'ont déshabillé. Je vous remercie. Vous ne pouvez même pas savoir. Le sucre dans mon cœur était très bon. Parce que c'était ce que je voulais. Parce que je suis sûr que Nabil Njoya a vu ma photo. Il a vu la femme aux cheveux blancs qu'on a déshabillée qui venait de passer un message. C'est ce que je cherchais. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous avez gâté quelque chose qui aurait pu se passer en toute discrétion, que personne n'allait même savoir. Vous avez mis ça au monde entier. Et puis vous êtes sur Facebook. Voici la victoire. On a la victoire. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça au peuple Bamoun. Oh! Qu'est-ce que vous êtes cupide?
Vous n'avez rien compris. Vous ne connaissez pas la brigade du boycott. Quand on sort, comment on est sorti pour un boycott de sensibilisation, quand on est sorti là, on a eu la plus belle victoire. Je vous dis qu'on a eu la plus belle victoire. Ma guerrière Annie Tchoko, les ports de l'Ouest et les combattants de la Belgique, sans compter Fabien, tout ça, nous n'atteignons pas 10. Vous pensez que 10 personnes allaient partir, on devait aller faire quoi avec un bataillon, une sécurité du roi et tout ça? Vous pensez qu'on partait faire quoi? 10 personnes partaient faire quoi? Vous pensiez que 10 personnes étaient... On n'atteignait pas 10. Vous pensez qu'on allait faire quoi? Comme les bagarres? Je vous dis que vous avez été tellement stupide. Vous avez incarné la stupidité. Et quand je voyais moi-même mes filles en train de filmer, j'étais contente. C'était super à moi. Allez, je vous dis que ouais, dites que laisse-les filmer. Laisse-les mettre ça partout. Parce que c'est par là qu'un message passe. Même la maman Bamoun qui est dans le fin fond du village a su qu'il y a quelque chose qui est arrivé au roi en France. Grâce à cette vidéo que des gens ont filmé croyant vouloir me discréditer, croyant vouloir me ridiculiser. Non. Vous avez fait mon affaire, mes frères. Vous avez fait mon affaire. Parce que mon message est arrivé. Mon message est arrivé. Vous comprenez? Quand Makna, celle qui m'a donné la vie, on lui a envoyé ma vidéo à ma mère. On lui a dit, voilà ta fille qu'on a déshabillée en France. Voilà ta fille qu'on a souillée en France. Elle était dépassée. On a déshabillé ta fille en France. On ne m'a pas souillée. On ne m'a pas du tout souillée. Ils ont souillé toute leur communauté. Et le pire encore, c'est qu'ils ont fait la publicité de la brigade du boycott. C'est arrivé là où ça devait arriver. Et tel est notre leitmotiv, faire passer des messages. C'est-à-dire que chaque personnalité qui arrive, qui sache que oui, il y a des gens qui sont là pour faire passer des messages. Et notre message est passé. Notre message est arrivé à bon port. Vous n'avez rien compris. Rien. Rien du tout. Je pense que la seule personne qui a compris un tout petit peu le pourquoi de notre présence, c'est cette dame qui était en train d'empêcher que vous fassiez ce que vous m'avez fait. Je vous ai vu jubiler, j'ai rigolé. J'ai dit, vous jubilez de quelqu'un que vous avez déshabillé. C'est ça, vous jubilez de ça. Donc c'est une victoire. Que 10 colosses garçons déchirent le t-shirt d'une femme et on jubile. Je vois des hommes qui prennent la banderole du Nozo. Où on a que de pleurer. Les gens qu'on a tués, les enfants qu'on a tués, qui sont tous Camerounais, ils marchent dessus, ils piétinent. Vous appelez ça des gens? C'est des mécréants. Ces garçons qui ont filmé ça, et ils filment ça à Mondo Vision, ils partagent. Vous comprenez qu'il y a des gens qui n'ont rien dans la tête. Parce qu'ils auraient même pu tout faire, mais pas mettre que cette banderole. Où on dit stop à la guerre dans le Nozo, et marcher dessus, et filmer, et mettre sur la toile. Les gens se ridiculisent à travers des petits actes sans comprendre. Je dis que les gens se ridiculisent à travers des petits actes sans comprendre. Ils ont été d'un ridicule à chier. Ils sont contents. Vous marchez sur la banderole où on a que de voir les photos de vos frères et sœurs camerounais qui perdent la vie depuis 5 ans. Vous filmez, vous jusqu'à Mohamed, mes filles, un mécréant de la pire espèce. Quelqu'un qui vit grâce au petit machin qu'il fait sur Facebook. Tu partages cela? Les gens, tu ne sont pas tes frères? Tu dis que le roi ne fait pas la politique, il fait quoi? Vous aimez le roi. Il est très important. Mais je vous ai dit, il est très important. Mais son importance, ça s'arrête aux escaliers d'Atangandi. Revoyez. Réfléchissez encore. Si les gens réfléchissaient, pour vous dire qu'aujourd'hui,
vous dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai compris. C'est que ce roi, je ne lis pas dans la boule de cristal, il suivra le même chemin que son père. Je dis, il suivra le même chemin que son père. Je ne lis pas dans une boule de cristal. Parce que j'ai laissé passer une semaine. J'ai laissé passer une semaine. J'aurais pu faire le lave le lendemain. J'aurais pu faire le lave le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. J'ai laissé passer toute cette semaine-là. Parce que je me disais que si ce roi, on dit qu'il a fait les grandes écoles, il allait demander à sa communauté de faire un communiqué pour s'excuser. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que ce sera exactement un allié inconditionnel du RDPC. Je vous dis qu'il sera un allié inconditionnel du RDPC. Et je puis vous assurer que vous allez me déshabiller en France jusqu'à ce que même vous allez me déshabiller en France éternellement, parce qu'à chaque fois qu'il viendra en France, vous me verrez devant vous. Vous me verrez devant vous pour me déshabiller. À chaque fois que ce Nabil Diouf viendra en France, vous me verrez devant vous pour vous déshabiller, parce que j'ai laissé à cette communauté, j'ai laissé au secrétaire du roi, j'ai laissé à ce roi une semaine pour pouvoir sortir en communiqué, pour se désolidariser de l'acte qu'a posé ses frères, ses sujets, sa sécurité. Même s'il n'était pas au courant, il a quand même vu. Il a quand même vu. Donc si ce roi ne s'est pas excusé, pas s'excuser auprès de moi, mais s'excuser auprès du peuple qui a vu ce qui s'est passé, je peux vous dire, je ne dis pas dans une boule de cristal, c'est un allié. Et j'ai encore d'autant plus mal parce que les gens ont dit qu'on devait lui laisser une chance. Si ce roi avait sorti, même le secrétaire du roi, s'il avait sorti un communiqué pour dire, nous avons vu ce qui s'est passé, on était censé organiser une rencontre entre la brigade du boycott et le roi Nabil Njoya, mais malheureusement, la rencontre n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu une incompréhension de part et d'autre, de gauche à droite, si c'était excusé. Si ne serait-ce qu'un petit communiqué comme ça était sorti, j'allais dire que non, celui-ci, Macna, peut-être le tout si tu t'es un peu trompé. Peut-être qu'on s'est un peu trompé. Non. Il ne s'est pas excusé. Ça a confirmé ma thèse. C'est un allié. Ça sera un allié du RDPC. Jusqu'à le feu va sortir. Donc ceux qui se sont moqués, vous n'avez pas bien vu le sens. Vous n'avez rien compris. Je vous dis que ça sera un allié. Parce que les gens m'ont dit, oh, celui-là, il est différent, hein? Il ne sent pas comme son père. Il a fait les grandes études. Il était à l'ENAM, ou c'était à l'école, quoi. Toutes les grandes écoles, je ne suis pas arrivé. Donc, quand on va dans les grandes écoles comme ça, quand on fait quelque chose quelque part, et que on est. Parce que le roi Nabil Njoya est responsable de ce qui s'est passé à Bobigny dimanche dernier. Il aurait eu, Dieu merci que nous ne sommes pas arrivés là, peut-être parce que ces gars ont compris qu'on peut pousser le bouchon un peu loin, mais il y a des limites, on ne peut pas arriver. S'il y avait eu un décès, ça s'est passé comment? Il serait encore resté silencieux. On voit les grands hommes par leur attitude, je vous le dis, les grands hommes par leur attitude, pas les gens, pas la jeunesse qui pense qu'avec le ventre. Voilà, je laisse qui pense avec le ventre. Voilà un autre penseur qui est arrivé. Voilà un autre penseur qui est arrivé. Des gens qui marchent avec le ventre. S'il était un grand homme, s'il était le roi que vous dites, son secrétaire allait sortir un communiqué pour dire qu'ils regrettent le petit échange qu'il y a eu entre frères camerounais. Parce que ce n'était pas les Nigériens qui étaient là. Ce n'était pas non plus les Éthiopiens. C'était entre frères camerounais. Donc, je suis choquée parce que on te parle qu'il y a tout un service derrière lui. Il y a tout un service. Il y a tout un service. Donc, il n'y a pas les conseillers.
Dans toutes les écoles, qu'ils ont peut-être pas compris que quand des choses comme ça se passent, pour laver l'image, on essaie de faire un communiqué pour dire des choses, pour dire non. Il n'a pas vu la banderole de la guerre du Nozo où ses sujets sont en train de danser dessus. Il n'a pas vu. C'est triste. C'est triste. Mais grâce à tout ça, il est au courant. Il sait ce qui s'est passé. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et vous dire que nous avons des hommes et des femmes très courageux. Nous sommes courageux. Et nous sommes très courageux. Parce que quand on allait là-bas, malgré qu'on savait qu'on partait pas pour faire la guerre, on savait qu'on partait pour discuter avec des gens. Il y a un... Voilà. On savait qu'on partait discuter avec les gens. On a vu des vidéos où on nous donnait des avertissements. Mais on s'est dit que non, on est des êtres humains. Il y a des moments où on dialogue. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? C'est parce que quand les anglophones ont commencé à demander le dialogue à Paul Biadel au début, par rapport aux conditions, à toutes les conditions, toutes les souffrances qui se passent dans leur zone, Paul Biadel a refusé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la guerre dans le Nozo. Si Paul Biadel avait accepté d'écouter les cris de ce peuple-là, il n'aurait pas cette guerre qui dure depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Donc, je voulais aujourd'hui vous apporter tous les éclaircies et vous donner donc, vous faire ce débriefing pour vous expliquer comment ça s'est passé. Et dire merci, un grand merci à tous ces brigadiers qui étaient avec nous sur le terrain. À tous ces brigadiers, parce que c'est un boycott qui nous a beaucoup divisés. À tous ces brigadiers qui ont compris qu'il était nécessaire qu'on fasse passer un message à ce roi. Non! Ce n'est pas VDK, c'est parce que je suis devant. Ce n'est pas VDK seul qui a décidé. Il y avait des gens qui ont pensé comme VDK, qui ont cru comme VDK, en l'occurrence de Annie Choco. On était tous d'accord qu'il faut qu'on passe ce message à ce chef traditionnel. Donc quand nous sommes allés tous avec le général Wanto, c'est parce qu'on était tous d'accord qu'il y avait un message à passer. Comprenez? C'est ça. Et le message est passé. Et c'est passé de la plus belle des façons du monde. C'est passé de façon magistrale. On n'aurait pas espéré mieux que ça. Si ils considèrent que je suis le trophée, je pense que je suis le plus beau de leur trophée. Donc c'est tout ce que j'avais encore à dire au sujet de ce boycott, du boycott du roi Nabil Njoya. Et lui dit que s'il revient encore en France demain, il me verra là. Il me verra. S'il revient encore en France dans un an, il me verra. Et pour dire à mes frères Bamoun qu'il faut qu'ils s'estiment heureux d'être rentrés chez eux dans des voitures. Parce qu'ils auraient pu trouver quelque chose de très très grave le matin. Ils auraient pu trouver quelque chose de très très grave tard dans la nuit sans même comprendre ce qui s'est passé. Quand les gens partaient encore boycotter à Lyon, on trouvait le matin, toutes les voitures étaient crevées. Même les voitures de certains combattants ont été crevées à un moment donné. On n'est plus à ce niveau parce qu'on grandit. Ce n'est plus. On ne sort pas pour aller faire du mal à son frère. On sort pour aller passer un message à son frère. C'est pour cela qu'après, vous êtes sortis, vous avez pris vos voitures, pas de gratinus, pas de pneus percés, vous êtes rentrés tranquillement chez vous. C'est parce que on ne venait pas en guerre contre vous. On venait passer un message. Donc ça, il était important que je vous dise cela aujourd'hui. Et j'insiste, et pour clôturer, les garçons qui m'ont plaqué au mur, il y a la vidéo, hein. Ils ont fait tout pour ne pas montrer la vidéo entière. Il y a la vidéo, et il y a les échanges, ils me posaient des questions, je répondais. Ils ne m'ont pas du tout tapé. C'est vrai qu'ils m'ont vraiment bloqué, je ne peux pas me défendre, mais ils ne m'ont pas tapé, ils ne m'ont pas giflé. Je n'ai reçu aucun coup d'eux, hormis celui, un petit maigrichon qui est venu. Il a vu, on a plaqué une femme, on a bloqué la femme, il est venu arracher mon téléphone et déchirer mon habit. Hormis cela, je n'ai pas reçu de coup. Aucun coup ne m'a été porté. Aucun. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit au sujet de ce boycott du roi. Je vous remercie pour tous les partages. Et je vais vous demander de repartager parce que là, nous allons tomber sur le boycott de Paul Biya qui s'est passé hier au George V. Voilà. Et pendant ce temps, bien évidemment, n'oubliez pas de...
le lien PayPal qui est là, n'oubliez pas de participer, c'est important. De participer, c'est important parce qu'il me faut un nouveau téléphone. On doit aller, vous savez, merci. Oh, ma Juju, il n'y a que toi. Merci, ma Juju. Merci, ma chérie. Il me faut un nouveau téléphone, ma Juju. Il me faut un nouveau téléphone. Merci, ma chérie. Donc, vous savez, on doit. Paul Biya est là. Paul Biya est là. Il est venu en Europe pour une visite privée. Et puis, il profite également pour aller du côté de son ancien village. Parce que c'est son ancien village. Hein. De son ancien village, la Suisse, pour aller dans se reposer. Donc, comme Paul Biya est là, il a fini avec Paris. Donc, maintenant, il va aller se reposer du côté de la Suisse. Donc, nous avons décidé d'aller là-bas, lui signifier de rentrer au Cameroun. Parce que la Suisse n'est pas un pays de repos. La Suisse, c'est un pays que les gens ont souffert pour arranger. Donc, qu'il rentre, rester là où il a refusé d'arranger. Donc, partagez le live parce que nous allons bientôt nous diriger du côté de la Suisse. Nous sommes en train de nous préparer par rapport à ça. Donc, partagez le live parce que ça, c'est la deuxième partie de notre direct. Voilà. La deuxième partie de notre direct. Voilà, et merci pour ceux qui pensent bien de participer dans la cagnotte. Merci parce que c'est important. Donc, on repartage le live pour qu'on entame le deuxième sujet. Merci beaucoup pour ceux qui participent dans la cagnotte. Je ne peux pas regarder parce que c'est sur ce téléphone-là que j'ai accès à tous les messages. Mais j'ose imaginer que ceux qui ont à cœur que mon combat, que ma lutte se poursuit dans de bons thèmes, dans de bonnes conditions, vont forcément mettre la main à la pâte pour pouvoir me permettre d'avoir un nouveau téléphone. Vous savez, le téléphone, c'est mon outil de travail en quelque sorte. Donc, nous sommes restés, comme on reste toujours, pour nous est venu nous trouver. On a tellement attendu Papa Biya ici en France, qu'il a dit que lui-même vient nous voir. Comme il fallait qu'il vienne négocier encore un peu d'argent avec M. Macaroni, il est quand même venu nous voir. Donc, tout d'abord, je vais dire merci aux uns et aux autres. Merci à vous qui êtes là. Merci pour l'accompagnement. Merci parce que j'ai vu, et ça j'allais oublier, je n'ai jamais reçu autant de soutien. J'ai dit, je n'ai jamais reçu autant de soutien. Je le disais encore hier, que tous vos messages à mon endroit, vous savez, je vais encore le répéter, quand nos enfants font bobo, l'enfant couille, il tombe, il vient, maman, j'ai mal à mon doigt. Tu dis, le doigt c'est où? Moi, j'ai fait ça à ma fille Chanel, le doigt c'est où? Elle dit, ici. J'ai dit, ça, c'est le plus, elle dit, c'est la chose qui pense toutes les blessures. Quand l'enfant te montre son doigt et que tu lui fais, tu dis, c'est ici, dit, oui, c'est ici, maman, c'est ici. Tu fais, ça va mieux? Ça va pas mieux, mais elle dit quand même, ça va mieux parce que le petit bisou l'a réconforté. Donc, tous vos multiples petits bisous m'ont réconforté. Pourtant, les bisous, c'est pas parce que parce qu'on a volé mon téléphone. Les bisous, c'est parce que quand vous avez vu la vidéo et les photos où j'étais déshabillé, vous avez cru. Et c'est normal. Vous avez fait du souci pour moi. Et c'est normal. Donc, je tenais à vous dire, me lapte. Juste de vous avoir inquiété, de vous être inquiété pour moi. C'est parce que vous savez que ce que je fais, c'est pour la bonne cause. Je ne saurais pas, je ne peux pas citer les noms des uns et des autres. Parce que vous êtes tellement nombreux à m'avoir apporté des soutiens à travers des posts, à travers des lives, à travers des messages en inbox, à travers des appels. Oh, la mère, je t'ai appelé. Quand je voyais quelqu'un qui ne m'a même jamais appelé, je vois son appel en absence, je comprends que c'est pour ça. Je ne peux pas répondre, je ne peux pas vous citer, je ne peux pas citer le nom de X et oublier le nom de l'autre. Je vous dis mille fois merci. Merci infiniment. Parce que je pense que si vous avez pris la peine de m'appeler, si vous avez pris la peine de m'envoyer des messages, c'est parce que vous vous êtes fait du souci pour moi.
Vous êtes fait vraiment du suicide. Vous avez cru que peut-être le pire m'était arrivé. Vous avez cru que des choses horribles m'étaient arrivées. Mais par la grâce de Dieu, comme je dis souvent, je ne sors pas de chez moi pour aller faire du mal à quelqu'un. Je sors de chez moi pour aller passer un message. Et j'ose de vous penser que le message que nous passons demain, si les fruits, quand les fruits vont porter, c'est tout un peuple qui va profiter. Et non la famille de VDK, et non la famille de Annie Choukou, et non la famille de Madou Keraro, et non la famille de Sandy de Boston, et non la famille de Justine Boukam, et non la famille du général Wanto, et non la famille de Colès Nana, et non la famille de Paul de l'Ouest. Parce que j'allais m'oublier, Colès Nana, qui est allé dans un corps à corps incroyable avec ces gars. Et non, non. Ce n'est pas seulement. On va pas venir dire que comme ce sont vos familles, comme ce sont vos soeurs, vos frères, et ceux qui se sont battus, c'est seulement eux qui vont. Non, c'est pour tout le peuple. Donc je tenais à vous dire mille fois merci. Mille fois merci. On est resté, Paul Biya est venu nous rendre visite. Et cette visite de Paul Biya, c'est la meilleure. Parce que il est venu à un moment où on était fracassé. Paul Biya est venu à un moment où. On a déjà divorcé, se réconcilier, se redivorcer, se réconcilier encore et se redivorcer encore. C'était, il ne pouvait pas choisir meilleur moment pour venir. Il ne pouvait pas choisir meilleur moment que celui-ci pour venir. Il ne pouvait pas. C'est-à-dire, il est tombé à pic. À pic. Je vois ce message, l'arrivée de Paul Biya, comme un message que nos aïeux nous envoient pour nous dire, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Comme le message de nos aïeux qui nous envoient pour nous dire, Nadine, tu as besoin de Kamel Kodia. Nadine, tu as besoin de Motamosi. Nadine, tu as besoin de Justine Boukam parce que tu ne peux pas faire ça seul. C'est l'arrivée de Paul Biya, je vois ça comme un message de quelqu'un qui entre nous dit, si vous n'êtes pas comme ça, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Hier, j'ai vu des gens, des combattants et des combattantes que je n'avais plus d'espoir qu'on allait se retrouver sur le terrain. Mais parce que Paul Biya était là, on est tous sortis. Hier, à travers l'action coup de poing, que nous soyons menés à l'hôtel Georges V ou loge le dictateur Biya, n'écoutez pas ce que celui-là avait son nez comme un caca musclé à Londres dit que Biya n'est pas à Georges V. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. Quand Biya arrive, vous voyez les messages sur la toile. Alerte, alerte, on se retrouve où pour s'organiser parce qu'on a toujours organisé comme ça. Toujours. Quoi? Oui, encore. Je suis là, je fais mon live. Laisse-moi tranquille. On a toujours organisé comme ça. Quand le grabataire est là, on ouvre, on crée un groupe dans lequel on va discuter. Parce que on n'est pas dans les groupes, on n'est pas dans tous les groupes ensemble. Chaque, vous savez, il y a, comment on dit, chaque clan a en quelque sorte ses groupes. Quand j'ai vu Alain 00 machin qui est à Londres, là, dit qu'il va faire un live pour vous donner le groupe WhatsApp, les groupes ceci, et vous donner les noms des gens qui sont dedans, et vous dire ceci, j'ai rigolé. C'est la même chose qu'on fait. Quand Biya va partir, on va fermer le groupe. Parce qu'on aura déjà terminé de faire ce qu'on a fait. On va fermer, soit on ferme le groupe, soit le groupe continue là pour partager les liens des lives et tout, et tout, et tout, et tout. Les gens ont pris ça comme peut-être il a sorti un grand scoop. Mais non, on fonctionne toujours comme ça, c'était même sur la toile. On fonctionne toujours comme ça. On dit, c'est pas où? C'est pas où? Et c'est comme ça qu'on crée un groupe. On met pratiquement tous les combattants dedans. Même si ça veut que tu ne parles pas, même si ça veut que tu parles, c'est dedans. C'est le même, on est dedans. Et c'est là-bas qu'on commence à essayer de voir comment on réfléchit, comment on tire les idées, comment on organise et tout, et tout, et tout. C'est comme ça qu'on travaille. On a toujours travaillé comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui. C'est comme ça. Donc vous entendez pas de gauche à droite, fils du planteur dit que c'est pas où, toi dis que c'est pas où, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on fonctionne. On prend un endroit, on met la tontine dedans, on s'assoit, on commence à discuter, à réfléchir ensemble, comment est-ce qu'on va s'organiser. Donc, quel? Mais où est celui sur lequel on pose, était là au salon, non? Il n'y a pas d'autre. Quel autre? Le mien? Ça?
Il faut mettre ça, il faut mettre sur ma batterie. Ah, ça prend pas. Mais où est le compost dessus? Donc, on s'organise comme ça. Donc, on crée le groupe, on est tous dedans, on commence à discuter. Et c'est ce qui s'est encore passé cette fois-ci. On a créé le groupe, on s'est mis dedans, on a commencé à discuter, à voir comment on s'organise, à voir ce qu'on peut faire, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et ça se passe super bien. Même ceux qui se parlaient, même ceux qui ne se parlaient pas. Merci, Jean, merci. Merci pour la participation. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. À tous ceux qui sont en train de partager, merci beaucoup de partager le live et de participer dans la cagnotte. Je vous remercie beaucoup. Et je tiens à dire ici que si l'argent de mon téléphone sort, l'autre partie d'argent, il va acheter les banderoles de notre boycott parce qu'on a deux banderoles qui ont aussi été prises. Donc, je vais refaire les banderoles si l'argent de mon téléphone sort déjà parce que la priorité c'est mon téléphone. Je ne peux pas travailler sans téléphone. C'est vraiment très compliqué sans téléphone. J'ai besoin de ça. C'est devenu un élément essentiel dans nos vies. Même, tu as perdu. Je vais oublier de vous dire un détail que Doyen, Moulaptou, Général Wanto, Moulaptou, Colonel Sou, tout ça, je vous remercie infiniment. Si je n'ai pas le téléphone, je n'ai pas le GPS. Doyen m'a accompagné, je le suivais. Vous savez, comme tu suis quelqu'un. Ouais, le combat si. Pardon, mais tu n'as pas encore. J'achète mon téléphone, je vous assure. Le combat si. Doyen était devant, j'étais derrière. Après, aller déposer la plainte au commissariat, le général Wanto, qui m'ont accompagné, attendu. Vous savez, le commissariat est compliqué. Ils m'ont accompagné jusqu'à l'entrée de l'autoroute qui part chez moi. Parce que moi, partie de Paris jusqu'à chez moi, si je n'aime pas le GPS, je me perds. Avec les portes de ceci, portes de cela, portes de comme ça, c'est que tu rates un peu, que tu n'es pas très concentré, tu te perds. Donc, c'est Doyen B, parce que mon téléphone, il n'a pas le téléphone. C'est Doyen B qui m'a accompagné jusqu'à l'entrée qui prend la A13 pour aller chez moi. Parce que j'ai dit que si c'est à l'entrée de la A13 là, je peux me retrouver. C'est Papa Doyen qui m'a accompagné jusque là. C'est pour vous dire les sacrifices des uns et des autres. Les sacrifices des uns et des autres. Parce qu'ils ont compris que sans mon téléphone qui est mon GPS, en même temps, je ne peux pas arriver chez moi. J'allais oublier. Donc, encore merci Doyen. Merci au général Wanto. Merci pour tout. Merci à tous les brigadiers. Même ceux qui n'étaient pas d'accord, je pense qu'à un moment donné, ils ont compris que c'était important qu'on fasse le boycott. Donc, je remercie toute la brigade du boycott. Parce qu'une victoire, c'est notre victoire à nous tous. Ce n'est pas la victoire de VDK, c'est la victoire de la brigade du boycott. Quand les gars là jubilaient, ils dansaient là, ils ne parlaient pas que c'est VDK, ils parlaient que de la basse, de la brigade du boycott. Donc, c'est notre victoire à nous tous. C'est nous, c'est notre travail. Nous sensibilisons le peuple ensemble. Bonsoir. Bonsoir ma chérie Caroline Lagloire. Donc, on revient donc sur le dossier Paul Biya. Biya est là. On doit aller à Genève. Il a fini avec Paris, la conférence. Ils sont dit qu'on est l'argent. Et je vous dis le tout, si Biya est venu avec son fils Franck Biya. Allez comprendre pourquoi Franck Biya est dans la délégation cette fois-ci. Allez comprendre comment Franck Biya, qui était avec le roi Nabil l'autre jour en photo dans les tournées, qui a fait le tour de tous les Lamidos du Nord et tout, et tout, et tout, et elle va aller voir le roi Nabil. Franck Biya est dans la délégation de Papa Biya qui est venu ici. Bonjour, il est. Merci, bonjour, il est. Il est dans la délégation qui est venu ici en France avec Paul Biya. Mille manières. Merci, merci à vous pour le soutien. Merci vraiment. Merci. Mille merci. Pour les partages et pour tout, merci, merci. Il est venu avec son père. Franck Biya est dans la délégation. Il est dans la délégation. Franck Biya en question, il est dans la délégation. Ils sont tous là. Ils sont tous là. On a dit, Paul Biya, je vais encore me répéter pour la énième fois. Quand Paul Biya vient ici en Europe, la brigade anti-Sardina, oui, la brigade du boycott, on ne se lève pas pour aller l'arrêter. Oh. Comprenez bien cela, mettez-vous ça dans vos têtes. Parce que j'entends les gens dire au pays que vous l'avez l'arrêter. Non. Notre message n'est pas là. On va l'arrêter pour le mettre où? On va l'arrêter pour le mettre où? On a dit qu'on a une prison, bien on a un sous-sol, où on va mettre quelqu'un dedans. On va l'arrêter pour le mettre où?
quand Colbia est là, on parle, il fait comprendre que on n'est pas content. Bonjour Ali Patrick, bonjour mon grand. On parle, il fait comprendre qu'on n'est pas content de la façon dont il gère notre pays. C'est le message qu'on peut lui passer tout le temps. Et pour montrer aux yeux de la communauté internationale qu'il n'est pas un bon président, vous pensez qu'on peut lui dire quoi d'autre en dehors de ça? Vous allez vous laisser, je vous dis que vous l'avez arrêté, Paul Biya là. Vous l'avez arrêté, il n'est même pas au courant de vous. Il est au courant de nous. Il est au courant de nous. Il est au courant de nous. Parce que ce soit au Meurice, que Chantal Biya était sorti donner les billets d'euros à Billy Akele devant nous, avec les gars ivoiriens, devant nous. Que ce soit à l'Intercontinental à Genève, où ils sont placés là-bas en haut, on voit qu'ils sont en train de regarder. Vous savez, les hôtels, c'est pas. C'est les murs, c'est les baies vitrées. Bonjour, Kamel Kodia. C'est les baies vitrées. Hein. Donc, ils sont en haut, ils nous voient tous en bas. Donc, ils savent. Si vous continuez, vous dites que. Il ne nous gère pas. Pourquoi donc ça vous fait si mal qu'on aille le chercher? Ou bien qu'on aille passer le message? Ça vous fait mal comment? Pour quelqu'un qui ne nous gère pas. Jusqu'à on en parle partout dans tous les journaux. On en parle partout, même les grands reportages dessus. Jusqu'à même nous insulter. Si ne nous gérait pas, pourquoi on fait des reportages dessus? Jusqu'à dire que oh, la diaspora, ceci, vraiment, on salue l'image du Cameroun. Donc c'est pour vous faire comprendre que notre message continue à passer. Ça passe. C'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on veut. On n'a pas autre méthode que celle-là. On n'a pas autre méthode que ça parce que nous n'avons pas d'âme. Quand vous vous entendez, on dit qu'on ne peut pas boycotter. On est, c'est pacifique. On n'a pas d'âme. On n'a pas d'âme. Bonjour Landry. Bonjour mon chéri. On n'a pas d'âme. Donc on s'en va comme ça toujours à main nue. Passez le message. Donc quand vous avez vu, Biya était au Georges V, on s'est organisé. Les gens sont venus de la Belgique, toute la délégation de la Belgique, sous la conduite de Maman Annie Tchoko et tous ces brigadiers, les Bahamais, Kodia, les Omer de Bandin, les Aline Patrick, tous ces garçons ont pris la route pour venir retrouver les brigadiers de Paris, sans compter ceux qui venaient de Londres. Cette fois-ci, il n'y a que l'Allemagne qui était absent. Je dis que cette fois-ci, il n'y a que l'Allemagne qui était absent. Londres était là, la Belgique était là, et puis Paris, la place parisienne. Quand vous nous voyez sortir, on ne part, on n'a ni la force, ni la capacité d'aller arrêter un président, parce qu'on n'a pas de cellule, on n'a pas de prison où on va le mettre. La seule force que nous avons, et la seule capacité que nous avons, c'est d'aller lui faire comprendre notre message. Et vous voyez, nous ne sommes pas la seule communauté à le faire. Donc c'est pour vous faire comprendre que c'est comme ça qu'on passe les messages aux dictateurs. Nous ne sommes pas la seule communauté à les faire. Les Sénégalais le font. Les Sénégalais étaient pleins pour passer les messages à Macky Sall. Les Congolais étaient là, remplis pour passer les messages à leur président. Il n'y avait pas que la communauté camerounaise. Parce que la carte que les gens font, tu es en live, oh, vous l'avez allé arrêter, oh, l'autre président dort tranquille. Un président n'a pas dormi tranquille quand aux yeux du monde entier, on lui montre que son peuple est en souffrance et que son peuple de la diaspora ne l'aime pas. Parce que peut-être que, encore, parmi vous ici au pays, vous pensez que vous ne l'aimez pas du tout. Parce qu'on ne peut pas aimer son bourreau. D'autres vont vous dire qu'il l'aime comme Guylaine Chapuis. Ils vont vous dire qu'il aime ce président parce qu'à travers lui, elle profite des petits avantages, elle gagne des petits marchés, elle gagne des petits cela. Donc, elle l'aime. Que les services qu'elle gagne derrière lui et les avantages qu'elle profite derrière lui. C'est pour ça qu'elle veut qu'il continue à rester là éternellement pour pouvoir continuer à bénéficier de ses petits avantages. C'est tout. Mais au fond, elle ne l'aime pas. Bonjour, maire de Banjoun. Voilà les garçons qui étaient sur Paris hier, qui viennent à peine, ils viennent à peine d'arriver chez eux à Bruxelles. Ils viennent à peine d'arriver chez eux. Ils sont partis de Paris ce matin. Les gens abandonnent les femmes, abandonnent les enfants. Et vous dites que, oh, est-ce que vous allez arrêter Biya? Oh, vous avez fini de crier? On crie. On crie. Ce sont des cris de colère. C'est notre façon à nous de nous exprimer. C'est notre façon à nous d'exprimer notre ras-le-bol. Et vous avez vu hier, même des gens que vous n'aurez pas pu encore imaginer qui pouvaient se retrouver au même endroit. On s'est retrouvés hier. Il n'y a pas eu que. Je suis pour quand même. Tu ne me parles pas, non? Tu fais quoi ici? Il n'y a pas eu ça. Madame Guerrero,
Est-ce que tu veux parler? Pourquoi tu viens? Ça passe, c'est pas le combat de quelqu'un. Ce n'est pas le combat de quelqu'un. On va tous comprendre que ce n'est pas le combat de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui décide de qui fait, qui ne fait pas. Ce n'est pas le combat de quelqu'un. Est-ce qu'on a trouvé le ministre, Martin Jean? Est-ce qu'on a trouvé le ministre? Tu parlais comme ça, j'ai dit que Dieu fasse la même prière, on tombe au moins sur un. Que Dieu nous donne ce manga, nous du merci. Que Dieu nous donne ce manga, nous du merci. On n'a pas trouvé de ministre. Parce qu'ils sont fous. Parce qu'ils sont bêtes. Les gars se cachent. Les gars se cachent. Vous dites qu'ils n'ont pas peur de la brigade anti-Sardina. Vous dites qu'ils n'ont pas peur de nous. Les gars, je dis que les gars se cachent. Qui veut être... Qui veut qu'on arrête? Il commence à. Qui veut jouer à Usain Bolt ici? Personne. Aucun ministre ne veut jouer à Usain Bolt. Aucun. Donc je disais encore. On s'est tous retrouvés. Et personne n'avait le droit de dire à l'autre que pourquoi tu es là. C'est ça qui était incroyable. J'ai rien dans mon cœur. C'était bon à moi jusqu'à. C'était trop sucré. C'est-à-dire que j'étais tellement contente. Parce que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de demander à Calibri que pourquoi tu es là. Je n'ai pas ce droit. En tant que qui? Le combat m'appartient. Le combat m'appartient. Je n'ai pas le droit de demander à Sandy que Sandy, tu fais quoi là? Je n'ai pas le droit. Ou bien que Annie Choco, pourquoi tu es venue? Tu n'as pas ce droit. Parce que c'est ce qui... Si vous savez, si aujourd'hui, on a tous les problèmes qu'on a là, c'est à cause de Paul Biya. Parce qu'on ne se connaissait pas nous avant. On ne se connaissait pas avant. Il y a les problèmes qu'on aurait pu ne pas avoir dans nos vies si Paul Biya gérait bien le pays. Je n'allais même pas connaître Justine Boucan. Je n'allais même pas connaître les Caroline Lacroix, les Bassessi. Je voulais les connaître où? Je n'allais même pas connaître Calibri. Je n'allais même pas connaître Omer de Bandung, ni Kamel Kodia. Même Langri. On devait se connaître où? On peut même se passer en route. Sans même connaître. On ne peut pas se connaître. C'est à cause de Biya. Que vous nous voyez, on se tire dessus, on se déchire, on se dit toutes les méchancetés de la terre, c'est à cause de lui. Pour un travail qu'on fait gratuitement, un travail sans salaire. J'ai dit un travail sans salaire, où tous les jours on paie les choses. Tous les jours on paie. Tu sors, tu laisses la vie. Tu sors, tu laisses la chaussure. Tu sors, tu laisses telle chose. On ne compte pas ce qui ont même fait les accidents sur les routes. On ne compte pas ce qui ont fait ceci. Tellement on... C'est énorme. Les pertes sont énormes. Quand les gens partent de la Belgique pour venir à Paris, ils prennent la voiture. Si le Seigneur de nos ancêtres, si nos ancêtres ne veillent pas sur eux, quelque chose arrive, c'est leur famille qui paie. Donc vous comprenez le prix des sacrifices. Vous comprenez le prix des sacrifices. C'est-à-dire, c'est un travail gratuit qu'on fait. Et en retour, c'est quoi? Oh, est-ce que nous avons arrêté Paul Biya? Oh, est-ce que... Mais hier... Yeah! Hier, yeah. C'est l'appel du cœur qui a envoyé tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde entre dans le groupe. On fait comment? On fait quoi? Oui, telle personne dit, on fait quoi? On s'est organisé. On a préparé cette action. Tous ensemble. Je n'ai pas vu la bagarre. Je croyais que quand Kamel Kodi allait voir Calibri, c'était les coups de poing qui allaient sortir. Je n'ai pas vu la bagarre. Je croyais que quand j'allais voir Justine Boucam, c'est la bagarre. On allait se poser sur place. Je n'ai pas vu de bagarre. On était seulement là que... Vous dites que le monsieur là est là. On va seulement finir. Allons seulement lui dire qu'on n'est pas content de le voir. Vous pensez qu'un président qui vient tous les jours, on lui dit qu'on n'est pas content de vous voir. Chaque jour, il vient. La même diaspora sort pour lui dire qu'on n'est pas content de vous voir. Chaque jour, je vous dis que sortez-nous le cœur dans le terrain. On ne part pas pour taper quelqu'un. On ne part pas pour bagarrer avec quelqu'un. On part pour passer un message. Je ne comprends pas comment c'est aussi dur à comprendre aux Camerounais. Je ne comprends pas. Vous avez vu tous les garçons qui étaient là hier. Vous pensez que tous les gens qui étaient là hier, c'est parce qu'il y a des gens... J'ai même vu que... Quand tu veux aider ton pays, ne regarde pas ce que les gens disent à gauche à droite. Parce que si tu regardes ce que les gens racontent de gauche à droite, tu peux même pas te lever le matin pour sortir, pour aller faire quelque chose. Oui, tu peux même pas te lever. Tous ces gens qui étaient là hier. D'autres venaient seulement comme ça parce qu'ils venaient aussi donner leur coup de main. Mais je vous dis toujours, c'est toujours insuffisant. Ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. Plus on est nombreux, mieux c'est. Je dis que plus on est nombreux
allez-y à Colbia que la catégorie de l'opinion n'est pas bien, plus ça vaut le coup. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Quand vous voyez les gens qui ne se parlent pas depuis des mois et des mois, se lever et être debout pour la même cause, et après se dire bravo à nous. Bravo à nous parce qu'on est parti passer un message. Parce qu'on a fait comprendre à Paul Biaque, on n'est pas content de lui parce qu'on a passé le message. Bravo à nous. On se congratule entre nous. Pourtant, il y a encore ça, deux mois, on était là, on ne voulait même pas se blairer. Mais quand ce qui nous a mis dehors arrive, on est là. Je vais comme ça vous dire, parce que Paul Biaque a fini son séjour à Paris. On a encore fait, avec les bruits qu'on a fait là hier, il fallait qu'il parte directement dans son truc privé qui va passer là-bas en Suisse. Il est de la Suisse. Des gens qui sont dans les stratégies, dans le combat, vous ne les voyez pas. Ils sont derrière, ils sont préparés des stratégies, c'est eux qui donnent des informations. Il nous a dit que maintenant, là, cet après-midi, c'est arrivé là-bas. Donc je m'adresse à vous qui nous regardez là. À vous qui êtes toujours là que nous regardez. À vous qui parfois pensez que ce que nous faisons là, c'est rien. Pourtant, c'est des sacrifices énormes. Pourtant, c'est des sacrifices énormes. Bonjour à la brigade anti-Sadina de UK. C'est des sacrifices énormes que nous faisons. Il est là. Il est maintenant parti à Genève. On doit aller à Genève. Ce n'est pas seulement VDK qui doit être à Genève. Ce n'est pas seulement Justine Boucan qui doit être à Genève. C'est vous tous, même vous qui êtes là derrière vos téléphones, vous devez être à Genève. Parce que aller exprimer son mécontentement à son président sur la mauvaise gestion du pays, ce n'est pas faire la politique. Ce n'est pas faire la politique. Aller dire à son président que non, papa, la catégorie qui gère notre pays, on a trop de souffrances. Il y a de cela deux jours, c'est-à-dire que je dis comment, c'est la route, c'est les pistes du Cameroun qui ont tué Cabernet Nangib. Et après Cabernet Nangib, ça continue. La route n'a pas changé, ce sont les mêmes routes, ce sont les mêmes pistes. Rien n'a changé. Le gouvernement n'a pas réagi. C'est le même statu quo qui est là. Rien n'a bougé. Même Gabon Djoumessi qui a mangé tout l'argent, Paul Biaque l'a pris dans sa délégation pour l'amener ici en France. Vous pensez que ça sert à quoi? D'écrire les RIP, RIP, ouais, RIP, ouais, vraiment, les pistes du pays, les pistes du pays, et celui, vous êtes ici en diaspora. Ou vous ne risquez rien. Vous êtes incapable de sortir. Pour aller vers cela, vous mettez sur le toit et dire, ça vous dépasse. Vous voulez que le pays change comment, non? Je vous dis que si les gens ne se lèvent pas, le pays ne va pas changer. On ne change pas le pays étant assis comme ça sur la chaise, non. Si les gens ne se lèvent pas, ça ne peut pas changer. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas, sous des prétextes fallacieux. Oh, tout ça, c'est vous. Vous faites ça pour le RDP, vous faites ça pour le MSC. Le MSC n'a rien à voir. Ce n'est pas la politique. On ne parle pas, on ne boycotte pas au nom du MSC. On ne peut pas exprimer notre colère au nom du MSC. On ne peut pas exprimer au nom du peuple camerounais, parce que c'est tout le peuple qui souffre. J'ai encore entendu ce matin que sur l'axe quoi, combien 6 personnes ont trouvé la mort pour aller à l'ouest tous les jours. Tous les jours. Bonsoir, Maman Evelyne, tous les jours. La tenue du parti politique. Et le parti politique ne peut être efficace. Et ne peut obtenir gain de cause que si nous bousculons les choses ensemble. Si vous faites tout le distinguo que je ne peux pas moi aller boycotter, je ne peux pas moi aller, oui, vous n'aimez pas la violence, je suis d'accord. Mais ce qu'on peut faire à Genève là, ce n'est pas la violence. Allez dire à un président que ce n'est pas la violence. Je suis d'accord que vous dites que vous ne voulez pas faire le boycott avec nous, vous ne voulez pas aller faire les actions coup de poing. Vous n'êtes pas prêt à aller pousser la police, vous n'êtes pas prêt à aller faire ceci. Je suis d'accord. Mais ce qu'on peut faire à Genève là, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence. Donc arrêtez de vous cacher chez vous. Arrêtez de vous cacher chez vous. C'est des prétextes fallacieux. On a besoin de normes. On a besoin d'avoir une marée humaine de Camerounais dans la rue pour dire à Paul Biaque, nous ne sommes pas contents.
Bonjour maman Brigitte Bumba, bonjour ma mère. Que nous ne sommes pas contents. Oui. Vous étiez très surpris de nous voir hier. Vous étiez très surpris de me voir à côté de Calibri. Vous étiez très surpris de vous voir. Non. Parce que la colère que j'ai à moi, ou bien de mes ententes, ou bien des différends que j'ai à moi vis-à-vis d'un X ou d'un Y, ne peut pas nous empêcher d'aller. C'est à cause de lui qu'on est sorti. C'est à cause de lui qu'on a mis ses colères là. C'est à cause de lui qu'on a mis ses divergences. On doit se connaître où. Donc il ne peut pas être là. On ne peut pas. Moi j'ai des gens qui me disent, oh vraiment. Et encore certains combattants qui ont aujourd'hui eu l'occasion de partir au pays, rentrer une fois, partir au pays, rentrer deux fois, sans être inquiétés. Ils ne veulent même plus sentir que même la caméra. C'est-à-dire que même la caméra, là c'est que même la lumière du téléphone passe à côté d'eux. Vous partez construire les immeubles dans quoi, non? Dans le pays là. Où on vous dit chaque jour que rentrez chez vous. Quand la famine va arriver au niveau que ce n'est pas encore, même les immeubles ils vont casser. Vous ne connaissez pas. Quand quelqu'un a faim. Quand quelqu'un a faim et qu'il ne peut pas aller s'en prendre à la vraie personne qui lui fait avoir faim, il s'en prend qu'au faible qui est à côté de lui, vous allez voir. Vous allez investir, non? Vous portez, vous vous cachez, à leur pays, investir, non? Construire des maisons, non? Non, je suis en train de construire mon air plus sain. Je suis en train de construire mon air plus sain. Vraiment, bientôt, mon air plus sain. Non, je suis en train de construire mon duplex. Vous ne voyez pas les immeubles des influenceurs? Vous ne voyez pas? On n'a pas pris l'immeuble de Calice Béala ici devant vous. Vous pensez que depuis que Calice Béala a fait les funérailles sur la tête là depuis là, vous pensez qu'elle pleure pourquoi? Parce qu'on a pris son immeuble, non? On n'a pas pris l'immeuble de Calice Béala devant vous ici. Comme vous l'envoyez tous les jours, elle sort les longs textes. Elle parle le français, même de l'Académie française. C'est parce qu'on a pris son immeuble, non? Vous vous cachez, non? Vous dites que non, on ne peut plus le combat. Oh, depuis 2002, ceci, on a trop perdu. Vous vous cachez pour aller construire, non? Pour aller arranger vos maisons, non? Quand celui qui vous a vendu le terrain, quand l'ongame va arriver là où son cerveau va disjoncter, ça fait la machette qui va vous mettre dehors et récupérer sa maison. Vous ne pouvez pas aller investir dans un pays qui n'est pas équilibré. Ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas du tout équilibré. Oh, je sais rien. Il faut que je termine d'abord ma boutique là. Il faut que je termine mon prêt-à-porter. Vous savez, ma fille aînée, partait au pays parce qu'elle n'est pas même plus. Elle partait au pays tout le temps. Et il y a de cela 2 ans, la petite anecdote, parce que j'aime raconter des anecdotes. Elle dit, maman, je vais aller ouvrir un prêt-à-porter au pays. D'accord, elle met à tenance, 21h. Elle dit, je vais aller ouvrir un prêt-à-porter au pays, ma fille aînée. Je lui dis, Aïcha, quand la barre de Mouni, elle ne jette pas notre argent. Elle dit, non, je vais ouvrir ceci, je vais faire comme ça. Je dis que, ouais, ma fille, tu peux gâter l'argent, ne gâte pas l'argent. L'argent, aide même ta soeur à venir avec, aide même ta cousine à venir avec en France. Elle dit que non, je vais faire mes business. Tu dis, tu vas faire le business où? Dans le pays là où tout le monde a faim. Le pays là où tout le monde a faim. Même si ta mère n'a même pas un peu, elle peut te lober. Le pays là où tout le monde a faim. J'ai dit que j'ai essayé avant toi d'envoyer des choses au pays pour qu'on vende. Quand ma marchandise arrive à la maison, c'est ma mère même qui paye là-bas pour être sans crédit. Ma tante prend pour elle. C'est-à-dire que mes soeurs, ma mère, ma tante, mes cousines, prennent que les meilleurs, c'est-à-dire que prennent que les cœurs du barreau, comme on dit en friperie là. Bonjour, qui doit la prenez, chacun prend que. Et chaque personne prend comme ça qu'à crédit. Hein. Ma mère dit que, hey, maman, vous, moulou, ballerine rose de Yamba, sa mari avec mon sang rose que tu connais là. Mangou nous a pris telle chose. Poupina a pris les baskets là. Hein. Elle dit qu'on te cite là, les noms des gens qui ont pris ta marchandise. Mais que personne n'a donné l'argent. Hein. Ce n'est que les membres de ta famille parce qu'ils ont ouvert. Chacun a pris ce qui lui plaît. Mais c'est toujours à crédit. Hein. Avant maintenant, aller vendre le reste. C'est-à-dire que celui qui a l'argent qui peut payer cash n'aurait même plus, n'aurait même pas trouvé les meilleurs. Ils ont d'ailleurs pris le cœur du ballot. J'ai expliqué à ma fille fatiguée. Ah, mais non. Hein, est-ce que c'est comme toi, maman? Toi, tu ne vas pas au pays. Moi, je ne vais pas au pays, non. Moi, je ne vais pas au pays régulièrement. Laisse-moi faire mes choses. C'est tout comme ça que je me décourage. Je dis que Aïcha. Le comble, c'est que j'ai m'envoyé certaines choses. J'ai même plutôt, quand ma famille était un peu forte, j'ai même que du côté de la belle famille. Mon petit beau-frère là, seulement disparu avec les bijoux. Que j'ai dit que tout c'est parti. J'ai avalé. J'ai dit à Aïcha, ma fille, ne fais pas ça. Elle dit que non, laisse, vais faire. Hein, tu penses que quoi? Elle dit que ma fille, c'est parce que la vie ne nous enseigne pas. Moi, même si j'étais quelqu'un de réfléchi, je n'avais même pas envoyé quelque chose au pays à ma mère et à ma tante de faire un petit commerce.
Je n'allais même pas le faire. C'est parce que la vie ne nous enseigne pas. Parce que quand je partais au pays, il y a de cela 22 ans aujourd'hui, j'avais laissé un petit restaurant avec une cabine téléphonique et tout, et tout, et tout, et tout. Ma mère et ma tante ont tellement bagarré pour ça que ça finit par tomber en faillite, on a fermé. C'est-à-dire que ça finit par tomber en faillite, on a fermé. Ce qu'on est aujourd'hui, on est riche. Ce qu'on est riche. Parce que l'emplacement était top. Ce qu'on est riche. Ce qu'on est riche. Parce qu'à même temps que toi qui es au restaurant, même temps que toi qui fais le call box dans le restaurant, donc ce qu'on est riche. Ils ont mis ça à terre, ma mère et ma tante. Comme la vie ne nous enseigne pas, j'ai encore porté la marchandise à envoyer. Chacun prenait pour lui ça. Ça n'a pas marché. J'ai dit, ma fille fatiguée n'a pas compris. Elle est partie, elle a déposé au moins 8 millions au Cameroun. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Elle aurait peut-être même pu acheter un terrain et laisser ça là, comme ça, ça se repose en attendant que les choses changent. Quand, donc, quand vous courez là, vous vous cachez. Oh Dieu merci. Maintenant, je suis parti au pays, on ne m'a pas inquiété. Maintenant, je peux voyager tranquillement. Donc, on ne vous voit même plus. Même faire un petit commentaire sur Facebook, vous n'êtes plus sur ça. Même partager un live, vous n'êtes plus sur ça. Tellement la peur. Tellement, oh, vraiment, enfin. J'ai pu. C'est que vous dites d'abord que ouf. J'ai pu sortir de ce combat. Je reprends ma vie comme c'était avant. J'ai trop perdu. Le jour que les gens vont se fâcher, vous avez vu à Saint-Bélima, non? Ils ont cassé des boutiques. Cassé. Personne n'a moufté. Personne. Ils disent, personne n'a fait que. Elle dit que la catégorie, tu pleures que dans ton ventre. Quand ça va arriver, même vos machines, vous partez vous cacher même pour aller investir au pays là, ils vont arracher. Continuez. Ne vous battez pas. Dites que vous voulez. Non, on laisse au village, dit quoi? On laisse ça au René Athéna. C'est eux qui aiment tout le combat. Ils aiment les matures vues. Moi, je dis que comment on est là quand on nous donne l'argent? Ils aiment que les matures vues. Ils aiment que les matures vues. Le matures vues là, ça nous donne l'argent. C'est où? Voilà que mon téléphone est cassé. Je vous demande même de cotiser pour acheter mon téléphone. Vous allez vous me regarder comme le chien devant la télé. Le matin, tu leur donnes l'argent. C'était le téléphone de Aïcha Lakamoua, c'est pour ça qu'il était cassé. Parce que la cassette avait atteint 5000 euros. C'était le téléphone de Mafo qui est cassé. Vous allez vous me regarder comme le chien de faïence. Vous me regardez. Vous dites que, hein, Bédéka, courage, achetez le téléphone. Courage, achetez le téléphone. Si c'était d'autres. Il dit si c'était les gens-là, avec les amis fidèles. Est-ce que la carrière a même explosé? Vous ne comprenez pas. On est les sacrifiés. Oui. On est des véritables sacrifiés. Quand vous partez investir, oh, je suis à mon R plus 4, je suis à mon R plus 5. Oh, je connais mon terrain là. On va même construire la piscine. Oh, tu connais mon terrain, vous avez fait quoi avec la maison de la piscine alors qu'il n'y a même pas l'eau au Cameroun. Oh, vous connaissez mon terrain là. On va faire ça comme ça, comme ça. Maintenant, pour construire, il faut le groupe électrogène, il faut le forage. Vous courez, vous cachez même. Maintenant, vous même partagez, déjà, vous ne partagez plus. Même commenter, vous ne commentez plus. Tellement vous voulez maintenant être clean pour profiter pour jouer du pays. Parce que le seul endroit où vous pouvez vous vanter, le seul endroit où vous pouvez montrer que vous avez un peu, c'est là-bas. Ici, là, vous allez vous vanter devant qui? Vous avez vu quelqu'un ici en France, vous montrez son immeuble, que voici mon immeuble ici, et l'autre montre aussi que voici mon immeuble ici. Non, c'est pas compliqué que tu vois les choses comme ça. Que les gens filment leur immeuble et mettent sur Facebook. Aïe! Aïe, 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 aïe! C'est ici! C'est vrai qu'il est ici! C'est-à-dire que tu vois, voici l'immeuble, ceci. L'autre manque son immeuble, l'autre manque son immeuble. C'est que dans le continent que tu vois les petits challenges comme ça. Ici, là, quelqu'un manque son immeuble. Ici, on est là en location, on rembourse les crédits des gens. C'est nous qui remboursons. On rembourse les crédits des gens. Bonjour, Tala. On rembourse. J'ai remboursé le crédit de mon ancien bailleur qui était propriétaire. C'est moi qui ai remboursé son crédit 965 euros tous les mois pendant plus de 10 ans. C'est moi qui ai remboursé son crédit. On parle quoi? Vous parlez de quoi? Est-ce que vous vous cachez pour aller vous cacher? Vous dites que non. La cause du comment vous pouvez investir dans un pays où le voisin, qui est simple, deux étoiles, même une étoile se lève le matin et te dit que libère, tu ne peux pas pousser. Un pédaliste, il faut investir. Là où les gens qu'on a cassé à Saint-Bélima, est-ce que vous savez que même les gens sont ici, ils ont leur maison là-bas. Ils ont leur maison là-bas. Parce qu'ils ont construit là-bas. On a cassé, non?
Coucou, Désiré et Dimouma Lyon. On a cassé Assembly maintenant. Vous pensez que les gens qui ont construit Assembly maintenant sont des Camerounais qui sont au Cameroun? Il y a des gens ici à l'Europe qui ont construit la maison là-bas. On a cassé, non? Quand ils vous disent que rentrez chez vous à Yaoundé, vous n'avez pas construit à Yaoundé. Le rentrer chez vous là, c'est pour aller où? Mais c'est encore vous qui là, couillant, couillant, couillant. Hé, hey, mon chantier là, hein, il faut que je termine ça vite. Oh, tu sais, j'ai mon immeuble de meublé. J'ai mon immeuble, ceci, c'est de cela. Dans un pays où il n'y a pas la paix, où tous les jours la famille ne fait qu'augmenter. C'est vous qui courez, coucou, coucou, coucou. Je vous, on va construire à l'ouest. Même si vous ne pouvez pas construire à l'ouest. En partant construire à l'ouest, vous laissez vos vies en route. Vous n'arrivez jamais à destination. Parce que les routes ne sont pas bonnes. Le bon côté est où? Que tu partes de Yaoundé pour l'ouest ou que tu partes de Yaoundé de Douala pour l'ouest, c'est toujours le même traitement. La route, les pistes, l'accident. Donc, tu es entré dans la masse, mais l'argent pour aller construire, tu n'arrives même pas à destination. C'est en route que pour toi fini. Vous courez quoi? Jusqu'à vos pieds ne touchent même plus le sol. Jusqu'à même commenter le lave de quelqu'un vous fait peur. Jusqu'à même partager un lave vous fait peur. Après, les gens qui ont déserté le combat pour aller s'inscrire, pour aller faire la politique, maintenant c'est ceux qui ont déserté le combat pour aller jouir du pays. Jouir du même pays qui est en train de critiquer que ce n'est pas bon, que c'est mal géré. Au final, vous nous laissez à qui? Vous nous laissez à qui? Fais-moi aussi, s'il te plaît. Au final, vous nous laissez à qui? Vous nous laissez à qui? Donc c'est nous trois combattants qui allons libérer le pays. Donc comme vous êtes assis comme ça chez vous, parce que c'est nous qui allons libérer tout le pays, là, nous, trois personnes là. Merci. Non. Non, c'est pas toi que j'ai parlé chez nous. Non. Mais là, non, je ne fais plus le combat. Vraiment, il va même faire la politique. Vous portez des lits du MS et vous mettez sur vous. Oh, je ne peux pas faire de combat. Maintenant, il veut que la politique. Vraiment. Vous savez, la catégorie du pays là est dure. La catégorie les conditions sont dures. Si on ne se met pas ensemble, tous les jours, vous fuyez. On dit qu'on est. Même si. Comment les partis vont écouter là? Ils vont dire là que c'est le MS qui est parti pour écouter. Que vous fuyez ou pas. Que vous fuyez ou pas. Ils vont mettre ça sur votre tête. Vous fuyez quoi? Vous fuyez quoi? Vous portez les habits, vous marchez partout avec. Ça sert à quoi si on ne peut pas changer les choses? Si on ne peut pas bouger les lignes, que les choses changent complètement. Ah, attendez, bois mon verre d'eau. Chanel! Tu t'es déjà changé? Tu as porté ta robe? Oui. Mais c'est pas celle que tu veux porter? Non, c'est pas celle-ci, mais j'ai changé. Mais c'est juste ça. Non, c'est ça, tu peux ça pour aller avec à la fête? Allez, vas-y. Non, ça ne peut pas faire ça. Non, ça c'est une robe, de plage. Non, ça c'est une robe de plage. Hein. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que là, comme ça, en ce moment, si nous sommes comme ça, que de nous préparer, de nous organiser pour aller à Genève dans la semaine. Plus précisément, si Paul Biya n'est pas encore, si d'ici si samedi, Paul Biya est encore à Genève, il va nous voir, nous tous arriver. Si Paul Biya, parce qu'il n'est pas comme ça, pour une visite privée à Genève pour deux semaines. Donc, si d'ici la fin de la semaine, s'il est encore là, il va nous voir débarquer. Nous sommes conscients que nous nous préparer pour aller là-bas. C'est sans répit. L'autre jour, j'étais au boycott du roi. Hier, j'étais au boycott, j'étais à l'action coup de poing de Georges V. Samedi qui arrive là, je serai en route pour Genève. Pendant que vous êtes en train d'aller pour vos grands investissements au pays, oh, tu sais, mon salon de coiffure là, bientôt, ça va être terminé. Pardon. Oh, tu sais. Dans un pays où on agresse tous les jours, dans un pays où on brûle tous les jours, dans un pays où on casse tous les jours. Dans un pays sans foi ni loi. Vous êtes prêts pour aller investir quoi? Libérons d'abord le pays là, mes frères et sœurs. Libérons d'abord. On vous dit, inscrivez votre liste électorale. On vous dit, on n'a même pas de passeport. On n'a même pas pour voter ici en diaspora. On est là, on regarde. Voilà. Alors, maintenant, Paul Biya, comment on fait quoi pour voter? On va faire comment pour voter? Parce qu'on refuse de nous inscrire sur les listes électorales. On refuse de nous dire comment on va faire pour voter. Alors, demandez ça à Paul Biya. Vous êtes là, vous tombez chez vous.
ça. Avec deux, trois personnes, c'est lui qui a fait tout le travail. Alors, tous demandent à Paul Biya que la diaspora fait comment pour voter en 2025 ou avant, comme on dit là. On fait comment pour voter? Hein? On fait comment? Parce qu'en fait, si avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on a fait là, et que là, on ne peut pas voter, on fait comment alors? Ça va servir à quoi? Allons lui demander, il est là. Allons lui demander. Qu'on fait comment pour voter? On est tous bloqués. Quand on dit ça, oh non, moi je ne suis pas activiste, hein. Enlève-moi dans vos choses d'activisme là. Enlève-moi dedans, c'est quoi? Enlève-moi dans vos choses d'activisme là. Donc l'activisme, c'est autre chose. Mais c'est le fruit de ça qui est bon à manger. C'est le tomber de ça qui sont bons à récupérer. Mais là, l'activisme là, c'est beau. Enlève-nous dans vos choses là. Dieu va les sauver. Il y a Victorine, pardon ma Juju. Reste comme ça. J'ai moi, mais j'ai fait l'expérience de m'asseoir à la maison pendant un mois pour voir si un miracle avait ce produit. Ça, c'est le même produit. On dit, bois toi, le sel t'aidera. Tu ne peux pas rester assis à ne rien faire et penser que les choses vont se décanter toutes seules. Non, il faut se battre. Dans toutes choses, il faut se battre. Donc, je tenais comme ça à dire merci à tous ceux et celles qui étaient là hier avec nous pour l'action coup de poing au Georges Saint et de vous informer que nous sommes en train de nous mobiliser comme ça pour aller à Genève. Donc, si tout se passe bien, on prend la route pour aller à Genève vendredi soir. Si Paul Biya est malin avec toute sa délégation, c'est mieux qu'il parte avant qu'on arrive. Voilà. Parce que ce sera encore un deuxième. Ouh, il vient à Paris, on fait ouh, il vient à Genève, on fait ouh, ça, on n'est pas fatigué pour ça. On ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer, on ne va pas s'arrêter. Ça sera toujours ça. Peut-être que c'est à Genève qu'on va attraper un de ses ministres. Parce que si on attrape le ministre, c'est bon à nous. Peut-être que c'est à Genève, qui sait? Peut-être qu'à Genève, on peut même tomber sur un ministre. Donc, préparez-vous. Les lives vont suivre dans ce sens. Vendredi, on prend la route pour Genève. Parce que si Paul Biya est encore là-bas, samedi matin, on doit se voir avec lui. On doit savoir que partout il part, on le suit. Oui. Et si les gens de la Suisse, qui depuis 10 ne plus vouloir le recevoir, parce qu'à chaque fois qu'il est là-bas, on vient faire le désordre et tout. Et ça, c'est aussi ça. C'est ça. Si vous voyez que depuis beaucoup d'années aujourd'hui, il n'est pas plus là, parce que les autorités suisses en ont eu marre de nous voir chaque jour venir faire le désordre dans leur ville. Il y a eu des plaintes de part et d'autre. Et du coup, donc maintenant, ces séjours là-bas sont limités. Parce qu'on ne veut plus. Ils ne veulent plus voir ce désordre-là dans leur pays. Donc du coup, ils ont limité les séjours de Paul Biya là-bas. Parce que c'était déjà récurrent. Il habitait même lui derrière là-bas. C'était devenu son deuxième pays. Donc, on repart là-bas comme ça, là. On repart là-bas. Vendredi, on est encore pour repartir. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis, il y a le lien qui est épinglé là. J'ai perdu mon téléphone. Les petits machins, Yamaniam, quoi, du roi, qui dansaient, eux dansaient, on prend mon téléphone. Peut-être qu'ils pensaient que l'iPhone, c'est pas le téléphone qu'on volait. L'iPhone, dès que tu prends, moi-même, j'ai bloqué mon téléphone. C'est-à-dire, moi-même, je suis allé dans localisation. J'ai localisé mon téléphone, j'ai vu où c'était, l'adresse où mon téléphone a été signalé. J'ai vu et j'ai bloqué. Donc, quand ça a bloqué comme ça, c'est mort. On peut voler les Android, mais pas l'iPhone. Si tu vois même l'iPhone en route de quelqu'un, prends, tu dis que, oh, s'il vous plaît. Parce que tu ne peux pas t'en servir. J'étais ici chez moi, je voyais là où mon téléphone était, à Bobigny, l'adresse exacte. Où c'était, je voyais. Donc, j'ai moi-même. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, mon fils. Oh là là. Mets ton caméra sur toi, tu viens encore ici. Donc, je voyais moi-même où mon téléphone était. Et j'ai bloqué. Donc, personne ne peut s'en servir.
Comme ils ont voulu me séparer de mon téléphone, donc personne ne peut s'en servir, ni eux, ni moi. J'ai tout bloqué. Mais sauf que j'ai récupéré toutes mes données. C'est ça aussi, ça. C'est aussi ça, la capacité d'avoir un bon téléphone. Parce que si c'était les Android de là, mais ils allaient entrer dans tous mes messages, entrer dans tous mes ceci, entrer dans tous mes cela, voir mes messages, tout. Non. Tout est bloqué. Quand mon téléphone se déplaçait dans le 93, je voyais où ça partait. Je voyais votre téléphone est à tel endroit bien précis. Je voyais. Parce que la localisation est activée. Je vois. Bonjour, Salomène. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, pardon, cotiser, j'ai mis le lien pour la cagnotte pour cotiser pour acheter mon téléphone. Il me faut un nouveau téléphone. J'ai appelé la police, non, Anne-Marie. J'ai appelé la police. Comme je t'ai dit, les fonctionnaires ici sont aussi comme les fonctionnaires du Cameroun. Hein. Les fonctionnaires ici sont comme les fonctionnaires du Cameroun. C'est comme les fonctionnaires du Cameroun. Tu te caches que quoi, Malion? Tu te caches à qui? Hein? J'ai appelé la police. J'ai dit que j'ai localisé mon téléphone à deux endroits. Un endroit le matin. Ton téléphone marche. Je vois encore à tel endroit. Je localise. Je leur ai dit. Donc, il me faut un nouveau téléphone. Donc, vraiment, en fait, le geste qui sauve. Mettez-le dans la cagnotte pour que je puisse m'acheter un nouveau téléphone. Parce que là, c'est très fort. Et on doit aller à Genève. Il me faut un nouveau téléphone. Sinon, vous n'avez pas fait de live. Si vous voulez voir ce qui va se passer à Genève, il faut qu'avant. Parce qu'avant vendredi, que j'ai un nouveau téléphone. Parce que le temps, c'est le téléphone des enfants que je marche. J'ai dans mon opposition le téléphone d'un enfant. C'est-à-dire que. Elle me regarde seulement que le chien, elle me regarde seulement, elle ne comprend pas ce qui se passe, parce que j'ai plus son téléphone. Il me faut un téléphone. Il dit que non, moi je reçois plus de messages, j'ai des choses plus importantes à faire, et tout. C'est ça. Donc, rendez-vous pour ceux qui veulent prendre part au voyage. Je pense qu'on va tout finaliser encore ce soir lors de la réunion. On va encore tout organiser, tout ficeler. Et au fur et à mesure, on va vous donner des informations. Selon il est du côté de la Belgique là-bas. S'il y a des informations, il va nous communiquer. Le Paul Biaer. Merci ma chérie Désirée Dimo. Merci maman. Et Paul Biaer est censé nous communiquer. Je dis même Paul Biaer. Bonjour Mike Ndongo. Bonjour mon fils. Il est censé nous communiquer. Nous a déjà dit que Paul Biaer est censé arriver ce soir du côté de la Suisse. Donc, dès qu'il va arriver, je pense forcément, il va nous tenir informés et on va s'organiser. Si d'ici samedi, il est encore là-bas, nous sommes arrivés là-bas parce qu'on a été là pour deux semaines. Donc, si d'ici samedi, qui est après demain, là, il est encore là, nous sommes tombés là-bas. On va descendre là-bas, nous tous encore. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour tout ça. Nous sommes en train de nous organiser pour ça. Ce soir encore, il y a réunion de crise. Voilà. C'est pour dire, ça ne s'arrête pas. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas savoir. Il faut même l'avoir fait une fois pour comprendre que c'est tout un sacrifice. Je dis, c'est un sacrifice énorme. C'est un sacrifice énorme. Et aujourd'hui, les Blancs sont venus nous conditionner avec l'affaire des téléphones. Là, c'est-à-dire que le téléphone est devenu un outil que quand tu n'as pas ça, tu as l'air d'être complètement coupé du monde. Parce que ça veut dire que tu. En fait, avec l'histoire des réseaux sociaux, si tu as l'air d'être. Quand on m'a demandé au commissariat le numéro où on peut me joindre en dehors de mon numéro personnel, je n'ai aucun numéro dans ma tête. Hein. Alors que les enfants m'ont. Je n'ai mémorisé aucun numéro. Tellement, j'ai trouvé ça tellement facile. Allez, tu appelles que quand tu tapes le nom, tu touches le nom, le numéro s'affiche. Je n'ai aucun numéro dans ma tête. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Je vous assure. Donc, la tâche est longue. C'est pas évident, mais on peut pas lâcher. On peut pas lâcher. Quand on s'est levé pour quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé de dire ce que j'avais à vous dire. Je sais qu'il y a Raphaël qui voulait intervenir et qui voulait que j'affiche le numéro pour qu'il puisse appeler sur WhatsApp. Je vais donc mettre le numéro si Raphaël peut, en sachant que Rémi Ngono, je pense que Rémi Ngono va lancer son live à 19h, je pense. Donc, je vais mettre le numéro si Raphaël veut appeler. C'est encore quoi? S'il est encore là. Hein?
Donc voilà, j'ai mis le numéro Raphaël. Si tu veux appeler pour passer un message, n'hésite pas. Merci beaucoup, Mike Ndongo. Merci. Merci. C'est vrai que ces derniers temps, je suis beaucoup secoué. Ah, il est déjà en direct, Rémi. Ok, je vais arrêter alors. Si Rémi est déjà en direct, je vais arrêter. Voilà. On va aller tous sur Rémi. Il est déjà en direct, je vais arrêter. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci à tous ceux qui ont tontiné. Sachez que vous pouvez tontiner même après le live. Merci beaucoup. Merci ma Gigi. Merci à tous.